6h19, l'épisode. Thank you.
sens. Bonjour à tous, chers amis, j'espère que bonjour à tous, chers amis, bienvenue sur le live du bon sens. Bah écoutez, je suis très heureux de reprendre cette émission. Comme vous le savez, c'était les vacances, donc tout le mois d'août, il n'y a rien eu. Au mois de septembre, j'ai eu quelques petits soucis, donc on n'a pas pu reprendre au mois de septembre. Mais c'est reparti, donc tous les mercredis, le live du bon sens, cette petite émission que j'organise sur Facebook, qui sera retransmise aussi bientôt sur YouTube. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir notre ami Sylvain Baron. Donc bonjour Sylvain. Alors, excuse-moi, on t'a pas entendu, j'avais mis ton micro en... Je disais salut à toi, Xavier. Ben écoute, enchanté Sylvain, ça fait très plaisir de t'avoir avec nous ce soir. J'espère que tu es prêt pour ces deux petites heures d'émission. Je dis bonjour à tous nos amis sur le live. Ça fait très plaisir d'être avec vous ce soir. Donc Marlène, enfin il y en a plusieurs. J'ai pas tous les noms, mais en tout cas bonjour à tous sur le live. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos réactions et poser vos questions aussi à Sylvain si besoin. Donc trêve de bavardage, on va passer directement dans le vif du sujet. Sylvain, j'ai décidé de t'inviter ce soir pour le live du bon sens numéro 13 pour parler de ton parcours et notamment du livre que tu viens de sortir. Donc Sylvain a écrit un livre qui est, si je ne m'abuse, qui n'est pas encore dans les librairies.
Tu vas nous confirmer? Pas encore. Et donc on va parler de tout ça. Donc bonsoir Pierre, bonsoir Franck, bonsoir tout le monde. Ravi d'être avec vous. N'hésitez pas à poser vos questions. Bonsoir Alice Mireille. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Sylvain se fera un plaisir d'y répondre. Alors sans plus attendre, messieurs, dames, nous allons d'abord, avant tout, attaquer le gros morceau de la soirée, c'est-à-dire la présentation de l'œuvre de Sylvain Baron. Sylvain Baron qui est donc auteur, activiste politique, gilet jaune, et ensuite après avoir discuté avec Sylvain, nous allons revisiter ensemble l'actualité, sachant que l'actualité a été assez dense ces deux derniers mois, mais j'ai sélectionné pour vous quelques articles qui traiteront notamment, comme d'habitude, de l'économie, de la France, de l'international et de l'Union européenne notamment. Alors, sans plus attendre, Sylvain, est-ce que tu es prêt ? Toujours prêt. Toujours prêt. Ça me fait plaisir. Oui. Donc, on va tout de suite démarrer cette interview en fanfare. Alors, avec un petit raffarin, win needs a yes to win against the no, pour les adeptes. Alors, donc Sylvain, je vais te demander de nous présenter un peu ton parcours scolaire, professionnel et politique notamment, de manière assez brève, et puis ensuite on ira un peu plus dans les détails. Alors en fait, depuis tout petit, je suis quelqu'un de passionné par les sciences et les technologies. Donc, je dévorais des encyclopédies étant gamin et je voulais devenir forestier. J'ai d'ailleurs fait des études de forestier qui m'ont été interrompues parce que j'avais déjà un sacré petit caractère un peu plus jeune. Je suis finalement devenu routier, mais toujours en continuant de m'instruire parce que je comprenais pas, en tout cas, il y avait quelque chose que je comprenais pas, c'est que dans les années 90, quand j'avais une quinzaine d'années, on me parlait déjà de déplétion des matières premières et notamment celle du pétrole à venir. Et à côté de ça, moi qui étais chauffeur routier, je ne pouvais que constater que le régime de libre-échange ne correspondait pas à une certaine logique de réduction de notre empreinte sur ces matières premières, puisque si on va chercher très loin ce que l'on peut fabriquer à l'intérieur du pays, c'est qu'il y a manifestement une décorrélation entre ce qu'on nous annonce, entre le fait que les matières premières vont à manquer, et d'un autre côté, un gaspillage monumental qui n'est pas compréhensible. Donc ça m'a amené à m'intéresser aux traités européens, parce que j'avais vaguement compris que la question du libre-échange se trouvait là-dedans. Je suis tombé par hasard sur l'UPR, c'était à l'époque où Asselineau faisait ses premières conférences, mais qui gouverne réellement la France. Ça m'a fasciné, je suis entré du coup dans le monde militant à travers l'UPR. Donc en fait, t'es passé de... Parce que là, t'es allé très très vite, ton goût pour ta curiosité pour la compréhension du monde, etc. Le fait que ton travail de routier t'ait fait prendre compte de l'importance du transport et du rôle du libre-échange dans le transport, etc. Et donc ensuite, tu as découvert, ta première découverte, ça a été François Asselineau au niveau politique ? Non, en fait, au départ, je n'entends... On avait 3 sons de cloche à l'époque, parce que c'était quand même en 2010, et donc il faut revenir 10 ans en arrière. On avait d'un côté Mélenchon, dont j'aimais bien le discours social et écologique, mais chaque fois qu'il éludait l'idée de sortir de l'euro et revenir au franc, je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. On avait évidemment la fratrie Le Pen, qui à l'époque était inspirée par Florian Philippot, qui commençait à parler de sortir de l'euro, mais comme c'était très à droite, bon, ça ne me correspondait pas. Et il y avait Dupont-Aignan qui, sous un angle plus droit à papa, plus apaisé, on va dire, proposait la sortie de l'euro. Et c'est donc en suivant un peu Dupont-Aignan que j'ai trouvé quelqu'un, un troll de l'UPR, qui a dit, vous connaissez M. Asselineau ? Je suis tombé dans le piège. Donc j'ai été regardé et c'est comme ça que je suis tombé sur une de ses conférences. D'accord. Alors on a une première question de la part de Pierre Lazzari qui demande ton avis ou notre avis sur l'annonce de Macron par rapport à l'école à la maison. Et il demande si c'est constitutionnel. Moi je trouve ça
concluant parce qu'en fait, il y a justement 10 ans en arrière, j'avais une petite amie avec qui j'envisageais de faire un voyage autour du monde en voilier, si on avait eu les moyens de se l'acheter. Et on s'était pas mal renseigné, notamment sur le fait qu'on puisse éduquer des enfants en voyageant ou à la maison. J'ai aussi rencontré des copains anarchistes qui élevaient leurs enfants à la maison. Ben alors, il s'est très encadré malgré tout. Il y a un suivi par je ne sais plus quel organisme qui se charge de dire quel est un peu le programme et les progrès qui sont attendus. Mais il y a un système qui permet ça. C'est l'instruction qui est obligatoire à l'école. Et là, il est en train de remettre en cause un des acquis, sachant que, vu comment on bourre le mot pardon, aux enfants dès l'école, et ça se voit ne serait-ce qu'avec les petits drapeaux européens que l'on voit sur les porches d'entrée des écoles. Je parle même pas des manuels scolaires, je parle même pas des idéologies qu'on implémente à l'école, je parle même pas des lois sur le code de l'éducation qui précise que là où un fonctionnaire, un enseignant du supérieur a un devoir de réserve vis-à-vis d'étudiants qui peuvent avoir plus de 20 ans et peuvent être critiques avec ses propres opinions. Tel n'est pas le cas pour les enseignants des petites écoles, très clairement, jusqu'au collège, lycée, qui eux n'ont aucun devoir de réserve, ce qui est une aversion. C'est plutôt face à des enfants qui n'ont pas l'âge d'avoir les ressources critiques pour analyser l'opinion de leur enseignant qu'on devrait imposer un devoir de réserve. Bon, bref, quand on regarde de toute façon par tous les plans comment l'école est une matrice à idéologiser les gamins, la décision de Macron, pour moi, c'est une nouvelle alarme qui est sonnée, clairement. D'accord. Très bien, très bien. Alors, on va revenir sur... Alors, pour répondre, Pierre nous demandait également si c'était constitutionnel. Alors, a priori, ça l'est. Je peux pas répondre, j'ai pas la réponse. Donc on va revenir sur ton parcours. Donc, en 2010, tu t'intéresses au... Enfin, en 2005, déjà, quelle est ta position par rapport au traité constitutionnel européen ? J'en avais aucune parce que je n'y comprenais rien. Pour moi, en 2005, l'Union européenne, c'était encore un projet bisounours. Simplement, ça me paraissait... je cherche le bon terme, mais... aride comme débat. Donc je m'y intéressais pas encore à l'époque, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc j'ai pas voté. Mais par contre, quand en 2007 j'ai vu que ceux qui avaient dit non s'étaient fait trahir, parce que Sarkozy a fait une réforme constitutionnelle pour imposer le traité de Lisbonne, là j'ai commencé vraiment à me poser des questions sur l'Union européenne une bonne fois pour toutes, en me disant qu'est-ce que c'est que ce truc qui est capable de s'imposer sur les référendums. D'accord. Et alors, donc sur ton parcours, tu as fait le cheminement, tu es passé par l'Union populaire républicaine. Qu'est-ce que ça t'a apporté et ensuite, qu'est-ce qui t'a amené à agir politiquement? L'UPR m'a en fait apporté une rigueur méthodologique sur la question de l'état de droit à préserver coûte que coûte. C'est-à-dire que l'UPR a une vision légaliste, parfois trop, parce que c'est bien ce que je reproche à une partie de l'encadrement du PR, c'est de ne pas savoir utiliser aussi les lois qui sont en notre faveur. Ça, c'est un autre versant que je pourrais déblayer avec l'écriture du livre. Mais en tout cas, la question de dire, c'est un petit peu la philosophie du droit à l'allemande sur le droit de résistance. En gros, leur article de loi constitutionnelle qui évoque la question du droit de résistance dit bien... le peuple allemand a le droit de résister à quiconque renverserait l'ordre constitutionnel allemand dès lors que tous les moyens légaux auront été employés. Donc en clair, c'est une invitation à d'abord se saisir de tous les moyens légaux et pacifiques qui sont à notre disposition pour aller au-delà. Donc c'est ainsi que j'entends le droit de résistance et l'UPR en faisant en sorte que la moindre idéologie, par exemple si on prend celle du libre-échange, se transforme en loi qui, elle, s'applique, qui est réelle, qui n'est plus une vue d'esprit. Donc ça, c'est les articles 28 à 32 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par exemple. Quand on veut débattre avec quelqu'un et qu'il dit le libre-échange, on peut l'abolir, mais il faut rester dans l'Union européenne, au moins on peut lui citer des articles de loi en lui disant, écoute, c'est pas que je veuille pas être d'accord avec toi, mais c'est que c'est pas une vue d'esprit de l'Union européenne, c'est réellement des lois qui s'appliquent.
si tu veux interrompre le libre-échange, il faut sortir de l'Union européenne, que tu le veuilles ou non, parce que tu as une architecture des lois sur laquelle tu dois tenir compte. Et ça, c'est vrai que c'est ce qu'a fait de mieux Asselineau, ça a été sa marque de fabrique, ça a été vraiment de transposer ce qui est des doctrines et des idéologies les plus absurdes du monde actuel dans ce qu'elles ont de réel et concret dans l'arsenal juridique européen notamment, et pas seulement du reste. Très bien. Et donc par la suite, donc si j'ai bien suivi, tu as employé, tu as mis en œuvre l'action des décrocheurs. Explique-nous ce que c'est. Alors avant ça, j'ai d'abord créé pendant 2 ans avec des camarades, dont des camarades de l'UPR, un journal qui s'appelle Poil à gratter. D'accord. Ça a été une bonne expérience militante, éditoriale. Ça m'a appris beaucoup de choses. Et j'ai commencé à décrocher des drapeaux européens un peu de temps après. Et comme ça a commencé à être suivi, aujourd'hui il y a plus de 2000 drapeaux européens qui ont été décrochés depuis 2014, si je ne m'abuse. Donc il y a beaucoup de gens qui sont derrière, et c'est aussi une révolte judiciaire qui est en sous-entendu, puisque le drapeau européen n'a strictement aucun régime de légalité ou de constitutionnalité en France. Nous ne l'avons pas reconnu dans la Constitution, nous ne l'avons pas reconnu dans les articles... j'ai un trou de mémoire, enfin dans les articles, dans les déclarations annexées au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 52 je crois, tous les pays de l'Union européenne reconnaissent les emblèmes européens, l'hymne européen, l'euro, etc. Mais la France et le Royaume-Uni ont été les seuls à ne pas les reconnaître. Donc nous ne les avons pas reconnus, malgré ce qu'a dit Macron à l'époque où Mélenchon avait fait sa petite crisounette au Parlement en voyant un drapeau européen. Macron avait dit qu'il allait reconnaître le drapeau européen pour régler la question, il ne l'a jamais fait. Donc si on se prend de ce point de vue-là, il y a une bataille très intéressante, et d'après certains avocats avec qui j'ai pu en discuter, et puis au fur et à mesure de la rédaction de la mémoire, j'ai pu potasser tout ça, le droit européen, notamment la Cour européenne des droits de l'homme, qui est très anglo-saxon, considère que porter atteinte à un drapeau, à ce qui est l'iconographie d'une idéologie quelconque, ça relève de la liberté d'expression. Donc il y a quand même quelque chose à exploiter, du droit européen notamment, à essayer de faire jouer. Et c'est voilà un des désaccords que j'ai dans le fond avec l'UPR là-dessus, c'est que le droit nous est favorable sur certains angles d'attaque, et l'UPR n'utilise le droit que pour dénoncer les problèmes, pas pour passer à l'offensive. Mmh. Après, l'UPR est un parti politique qui a pour but de gagner les élections et pas de mener des actions. C'est pas un groupe d'activistes politiques, mais c'est un groupe de. C'est un parti. Parfois, pour gagner des élections, il faut démontrer qu'on est offensif. C'est ce que je pense. D'accord. Alors, C'est bien vu d'être offensif. Très bien. Et donc les décrocheurs, donc ensuite après les décrocheurs, tu as été du coup très impliqué dans les gilets jaunes. Oui, la crise des gilets jaunes est intervenue, ça faisait déjà 8 ans quand même que j'étais activiste, donc je commençais à être rodé. Donc depuis 2015, on organisait aussi déjà des rendez-vous devant les médias. On avait fait une manifestation légale devant le Parlement et puis on avait filé devant BFM. Et on a continué ainsi tous les mois, ce qui fait qu'à l'aune de la crise des gilets jaunes, cette action a une portée un petit peu plus forte aujourd'hui. Donc on arrive maintenant depuis 2 mois consécutifs à être plusieurs centaines à ce rendez-vous, à tel point qu'on nous ouvre la chaussée pour manifester. Et ça continue très clairement. Et quel est pour faire un lien par rapport à ton action, donc c'est toi qui as organisé cette action régulière au siège de BFM TV à Paris ? Alors, je ne suis pas tout seul de toute façon, parce qu'on se doute bien que pour organiser des manifestations, c'est d'abord beaucoup de coopération avec beaucoup d'habitués, que ce soit pour les démarches strictement administratives ou simplement pour gérer des foules. Donc oui, je suis à la manœuvre, mais avec des camarades qui sont rodés depuis plusieurs années. Et c'est quelque chose à la fois d'un peu anarchique notre organisation, parce qu'on ne s'impose aucun service d'ordre ou des choses de ce genre-là.
mais avec une éthique de travail qui est très ferme sur le fait qu'on ne veut pas de violents, pas de casseurs, pas de milices politiques qui agressent les gens, pas de problème avec les flics. Et puis, nous touchons du bois. Les gens ont tellement l'habitude que ça se passe bien qu'ils viennent avec leurs enfants dans les manifs. Donc, c'est vraiment qu'on gère très, très bien. D'accord. Et donc, le but de ces... et on va revenir tout de suite sur le chat parce qu'il y a plusieurs interventions. Le but de ces manifestations au siège de BFM TV et des médias parisiens, quel est l'objectif de ces manifestations ? Alors, c'est clairement une attitude offensive, encore une fois, c'est mettre la pression. Le but, c'est d'atteindre simplement les masses critiques à force de répétition, parce que le mot se passe, tout simplement. Il y a le bouche à oreille, le téléphone arabe, comme on dit. À tel point qu'on serait capable, je l'espère, pour d'ici fin décembre ou début janvier, atteindre plusieurs milliers de personnes qui seront prêtes à revenir et réduire la fréquence qui est pour le moment mensuelle à hebdomadaire, voire quotidienne. Toujours avec un vice de procédure. Hein. Le but du jeu, c'est de jouer vraiment du zèle de procédure avec la préfecture. On n'est pas là pour se mettre des bâtons dans les roues. Mais en faisant en sorte que, justement, si on est plusieurs milliers à supposer tous les jours devant la maison de la radio, devant France Télévisions, les journalistes ne pourront pas faire semblant de nous ignorer. Parce qu'à un moment, ça leur dépassera et ils comprendront bien que plusieurs milliers de perdus qui vous regardent tous les jours de façon très hostile parce qu'ils en ont marre d'attendre que la délégation qui est censée aller négocier avec la direction de ces médias soit refusée, quoi, tout simplement, qu'on les laisse pas discuter. Donc les journalistes qui travaillent dans ces locaux-là, le but, c'est de leur faire comprendre, écoutez, faites pression vous-même parce que vous savez pas si les organisateurs de manifs auront le contrôle définitif sur plusieurs milliers de gens ad vitam aeternam, ça n'est pas possible. Et quel est le message que vous, si vous arrivez à accéder, mettons qu'ils reçoivent une délégation, que la direction de France Télévisions ou de BFM reçoive une délégation de votre mouvement, quel serait le, donc du coup, qu'est-ce que vous feriez de... Bon, alors en fait, déjà, évidemment que si on s'adresse à un média privé et à un média public, c'est pas la même chose. Mais l'objectif très clair, c'est de reprendre le contrôle d'au moins France Inter. On laisse toutes les autres chaînes à l'oligarchie, mais au moins France Inter en récupérer le contrôle. Donc, y mettre notre programmation éditoriale, très clairement, recruter nos propres journalistes issus du web, comme ça pourrait être toi, comme ça pourrait être des gens comme Tatiana Avantos, Grégory Tabibian, Thinkerview, Vécu, ça, en fait, ça pourrait être pas mal de gens qu'on a l'habitude de voir travailler, des intellectuels aussi qui sont censurés, s'assurer que la diversité d'opinions politiques soit réellement représentée à France Inter, donc avec un réel contrôle du peuple, hein, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un lien entre le peuple et puis la radio et les gens qui disent, bah écoutez, vous recevez pas assez tel intellectuel, tel politicien, on voudrait l'entendre un peu plus. Mais voilà, redonner ça au peuple. Alors évidemment, pour les médias privés, la négociation, c'est soyez gentils, faites un peu plus de diversité d'opinion. Avec France Inter, il n'y a absolument aucune négociation. C'est vraiment... là, c'est clairement un rapport de force sur lequel nous entrerons. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, on va revenir sur le chat parce qu'on a eu pas mal d'interventions. Donc, déjà, on a Franck qui nous dit « Big up à Boz et Tepa ». Donc, pour ceux qui ne savent pas, Eric Bozo, c'est bien ça, Eric Bozo ? Ouais. Eric Bozo et Patrick Donte, donc Tepa, alias Tepa, étaient des personnes qui sont décédées, des personnes qui ont beaucoup œuvré pour la cause nationale, qui ont beaucoup œuvré pour la cause du peuple. Eric Marie en étant cadre au sein de l'Union Populaire Républicaine et dans d'autres types d'actions. Et Patrick Donte, donc alias Tepa, ancien rappeur, qui avait intégré aussi les rangs de l'UPR et qui, par la suite, après son départ de l'UPR, avait créé la chaîne YouTube Tepa. Alors, c'était quoi le nom de la chaîne? Je ne sais plus. Bon, je ne m'en rappelle plus. Une chaîne. Très simplement, dans les hommages, un hommage à Sylvain et à José, qui, pareil, sont deux camarades de route, dont un qu'on a perdu récemment. Et voilà, c'est les petites mains de la résistance. Malheureusement, il y a des gens qui s'en vont et qui n'ont pas l'occasion de voir la révolution aboutir. Donc, dédicace et hommage à ces deux personnes, à ces quatre personnes qui ont beaucoup œuvré en coulisses, en silence, qui n'auront pas la reconnaissance
en tout cas pour l'instant, de la République et tout l'apanage qu'on octroie aux vendus ici et là. Mais nous, on leur rend hommage parce que ce sont des gens qui ont dépensé beaucoup d'énergie, de temps, d'argent pour essayer de défendre des causes, pour essayer de défendre notamment... une société meilleure, plus juste, voilà. Donc cet hommage est fait, big up comme dit Franck. Alors ensuite on a Pierre qui nous demande notre avis sur la présence possible de Charles Gave à l'élection présidentielle en 2022. Donc je vais répondre en premier. Pour ma part, je crois que Charles Gave a dit qu'il ne se présenterait pas. Je pense que voilà, il a son domaine d'expertise en finance, en économie. Enfin surtout en gestion financière, il a son point de vue, ses opinions politiques. Après, de là à faire de la politique et à être candidat, c'est autre chose, et je crois pas que ça fait partie de ses ambitions. Quel est ton point de vue, Sylvain? Pour ma propre part, je pense pas non plus qu'il ambitionne les présidentielles, mais il pourrait. Après, voilà, c'est non, je pense pas non plus qu'il va ambitionner les présidentielles. Surtout qu'il a quand même un certain âge, donc il en est conscient, je pense. D'accord. Ensuite, on a Christelle qui te pose une question sur... elle demande... Christelle qui demande « Pourquoi dites-vous que le drapeau européen n'est pas reconnu en France ?» Alors d'abord parce que la Constitution ne l'a pas reconnu. Donc le drapeau tricolore est bien reconnu dans le titre premier de la Constitution, mais pas le drapeau européen. Ensuite, comme je le disais, les articles 52 des déclarations annexées au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne disposent bien que la France ne reconnaît pas les emblèmes européens, alors que ce soit le drapeau, que ce soit l'UE, que ce soit l'euro, que ce soit la journée du 9 mai, la France ne les a pas reconnus dans les traités qu'elle a ratifiés. De façon générale, ce drapeau n'a pas non plus de valeur légale, c'est un objet marketing, c'est pas plus que ça du point de vue de son statut juridique. Il n'est pas un emblème parce que l'Union européenne n'est pas un pays. Le drapeau tricolore est bel et bien un emblème parce que nous sommes un pays, une nation. En revanche, l'Union européenne n'est rien de tout ça et elle peut faire du marketing avec... des différents objets, mais quand la question du drapeau avait été méditée, en fait, c'était pas tellement le drapeau, parce que le drapeau, ça ne passait pas pour les États membres qui étaient dans la discussion à l'époque, eu égard à leur souveraineté et leur indépendance qu'ils voulaient faire mettre en avant. Et donc, on a choisi de créer une image pour symboliser l'Union européenne, un logo, ni plus ni moins, qui peut prendre différentes formes, une tasse à café comme un drapeau. Voilà c'est quoi le statut réel et juridique du drapeau européen. Très bien. Donc on a, j'espère que Christelle est satisfaite de la réponse. On a Anthony qui nous dit bonjour Anthony. Alors Benoît Fourage qui demande « Pensez-vous que le militantisme de terrain est obligatoire à l'UPR ?» Oh, complètement. En fait, ça dépend évidemment si on est très âgé, handicapé ou voilà, si on n'est pas apte. C'est pas la peine. Maintenant, moi, je suis un militant et c'est pas moi qui vais déconseiller aux uns et aux autres de rester à la maison. Il faut se bouger. Maintenant, si j'ai écrit un livre et que je vise certaines institutions de pouvoir ou certains symboles dans mon militantisme, c'est parce que je pense quand même que le militantisme doit réellement être ciblé. Distribuer des tracts ou coller des affiches, le taux de retour est inférieur à 1%. Donc ça n'a pas beaucoup de valeur. Par contre, distribuer un journal du parti d'au moins 8 à 16 pages, vous avez la garantie que c'est une publication qui va circuler, bien mieux qu'un tract, parce qu'on va se le passer de main en main, on va lire dans les chiottes, on va lire dans le tramway, mais en tout cas on va le passer, on va pas le jeter automatiquement. Donc ça génère plus d'adhésion pour un parti politique que d'avoir un journal. Et c'est aussi de cette façon que Solidarité et Progrès avait réussi à se présenter aux élections 2012. C'est parce qu'ils diffusaient une feuille de chou à tous les maires de France. Donc tous les maires de France connaissaient Solidarité et Progrès et leurs analyses sur le plan économique. Donc ça, déjà, c'est une chose que doit absolument faire l'UPR, à mon avis, d'autant que ça coûte pas très cher, c'est avoir une publication papier à distribuer. Deuxième point, il faut que l'UPR soit dans la rue. Très clairement, enfin je veux dire, il faut que l'UPR existe dans la rue, à travers des manifestations, alors que ce soit sur des questions stricto européennes,
pour dénoncer tel ou tel traité, ou parce que c'est la journée de l'Europe, alors on va faire une action, ou simplement parce que l'UPR, comme bien d'autres partis, est censuré de, ne serait-ce que de, des canaux médiatiques publics, et que ceci est inadmissible, et que c'est pas en faisant des courbettes, en tendant la, la joue droite pour se prendre une gifle, et se prendre pour Jésus, en tendant la joue gauche, en disant c'est pas grave, on va rester gentil, aimable, et lisser notre communication, qu'on obtiendra l'attention des médias qui, de toute façon, sont clairement hostiles à l'UE, hostiles à l'indépendance nationale, hostiles à la France. C'est une idéologie bobo-bourgeoise. Hein. Donc, il faut clairement que les militants de l'UPR se disent « on va manifester ». Qu'ils n'aient pas peur de ça, et c'est pas parce que les militants de l'UPR vont en rejoindre des manifs ou en organiser que ça va mal se passer. Ça, ça peut très bien se passer. Très bien. Après, on a des personnes à l'UPR qui sont clairement bourgeoises. On a des personnes même de droite, des personnes de gauche. Non, mais c'est l'idéologie qui moi m'énerve. C'est pas la classe sociale. La classe sociale, demain, je peux peut-être que je vais vendre plein de livres et puis changer de classe sociale du tout au tout. C'est ce que je te souhaite. Je te souhaite, on te souhaite de vendre tout un tas de livres. Alors on va y venir. Parce qu'on est là pour parler de ton livre, notamment, mais on revenait rapidement sur ton parcours et on répond aux questions dans le chat. Donc on a l'intervention de Franck, de Anthony, qui nous dit « Brigade du Tigre » concernant Éric Marie. Effectivement, Éric Marie qui avait monté la Brigade du Tigre et qui avait monté aussi les FFI, Force Française Libre 2.0. Donc voilà, quelqu'un qui s'est longuement battu pour la France et pour le peuple français. Et donc on ne cessera de lui rendre hommage. Alors on a Meta TV, qui est cité par Guillaume Prin, Walter Lupano. Effectivement, c'était la web télé qui a été fondée par Patrick Donde, donc TEPA, Meta TV. D'ailleurs, j'ai travaillé avec eux en 2015, quand on avait fondé, nous, avec Joris, la Mosca TV, la web télé de Vincent Moscato. On avait eu quelques accointances avec Meta TV. Donc c'était intéressant, Meta TV, c'était un vrai travail hein, que faisait Patrick et l'IS, etc. Sur la fin, ça commençait à devenir un petit peu nauséabond. À certains moments, il a invité quand même des personnes qui, moi en tout cas, ne me correspondent pas, comme Papacito, etc. Enfin, des gens vraiment très très à droite, très. C'est surtout qu'il a pas équilibré, parce que moi, qu'il invite des personnes qui soient très à droite, ça me dérange absolument pas. Mais un média alternatif se doit de justement neutraliser son le caractère idéologique qu'il pourrait incidemment vouloir véhiculer, simplement en ayant une réelle diversité d'opinions. La difficulté quand même, c'est que inviter par exemple un antifa bien radical à discuter avec Papacito, pour donner cet exemple-là, ce sera très compliqué. Hein. Ce sera pas du côté de Papacito qu'il y aura une difficulté à communiquer. Ce sera du côté de malheureusement d'une ultra-gauche qui a du mal à s'ouvrir. Je sais pas. Ça c'est ton avis. Je pense que tu mets un usul avec. Mais bon, c'est pas le débat de ce soir, mais je pense qu'il y a des gens tolérants, ouverts et suffisamment intelligents pour pouvoir écouter, parler et échanger avec des gens qui ne sont pas d'accord, tant à gauche qu'à droite, et l'inverse est possible également. Donc je ne suis pas certain de cette assertion. Cela étant, voilà, on a répondu brièvement. Alors en temps d'antenne, on a Franck Ruher qui nous demande. En temps d'antenne, expliquer l'illégalité de Macron et du gouvernement, ainsi proposer cette. Bon, j'ai pas trop compris. L'Irlande ne reconnaît pas non plus le drapeau. L'illégalité, parce que si on se place du point de vue du CSA, pour disposer d'une certaine quantité de temps d'antenne, il faut déjà avoir prétendu à des élections et si possible les avoir emportées. C'est ce qui va déterminer le temps d'antenne auquel vous avez le droit. Or, Emmanuel Macron a disposé d'un temps d'antenne absolument inouï dans les médias, y compris dans la presse écrite, alors qu'il n'avait jamais été prétendu à un quelconque mandat électoral. Donc il y a quand même un gros souci que le CSA n'ait pas relevé ce point-là qui fait partie de ses statuts. Très bien. Donc on a l'Irlande, pour revenir sur le drapeau européen, on a Christophe Salien qui nous dit « L'Irlande ne reconnaît pas non plus le drapeau européen ». On a Christelle qui revient à la charge et qui nous dit
Merci pour votre réponse. Donc merci pour ta réponse, Sylvain. Je pense que ce drapeau est apparu en 1955, en posant la question, donc voilà, à vérifier. Alors en fait, ce qui est apparu en 1955, c'est le drapeau du Conseil de l'Europe. La Communauté européenne et l'Union européenne, évidemment, n'existaient pas. Ce drapeau, pour se distinguer, parce que le Conseil de l'Europe rassemble 47 États, et c'est une sorte d'ONU européen. Les souverainetés des États ne sont pas remises en cause par cette institution qui n'a rien à voir avec l'UE. Et donc, pour se distinguer, le drapeau européen du Conseil de l'Europe a un grand C à l'intérieur des étoiles, du cercle d'étoiles. Donc, c'est pas exactement le même emblème. Et les arrêtés actuellement en vigueur sur le pavoisement du drapeau européen sur les mairies et places publiques datent de l'époque où on avait adopté ce fameux drapeau du Conseil européen et non pas de l'Union européenne. Ce qui fait que même du point de vue des arrêtés en vigueur, ça ne peut pas être le drapeau de l'Union européenne dont il est question lorsqu'on parle de pavoisement. Très bien. Donc on a Christelle qui nous demande « Que pensez-vous de Michel Onfray et du journal Le Front Populaire ?» Alors, j'aime pas tellement parler des gens. Donc Michel Onfray, je pense que c'est une puissance intellectuelle. Il y a des choses avec lesquelles on peut être d'accord. Et d'autres non. Moi, étant croyant... Merci Sylvie pour le partage. Allez-y, n'hésitez pas à partager, liker, faites tourner autour de vous, ça fait plaisir, ça fera un peu d'audience pour Sylvain. Excuse-moi Sylvain. Donc Michel Onfray, lui, a un problème avec la question du divin qui ne traite que sous un angle religieux, alors que ça peut, du point de vue d'un philosophe, la question de la métaphysique du divin se traite aussi. C'est une toute autre vision des choses. Je suis pas religieux, je suis croyant, donc forcément, du point de vue intellectuel, il y a des choses qui ne passent pas avec Michel Onfray. Du reste, c'est un patriote, très clairement, à sa façon. Il a lancé le Front Populaire, qui est un organe de presse assez intéressant à exploiter. Le plus dur encore, pour moi, c'est de réussir à faire en sorte que ce qu'il a un peu initié avec son organe de presse ou des voix de gauche et de droite qui sont favorables au patriotisme se mettent ensemble, que ce soit quelque chose d'un petit peu plus un peu plus vaste, parce que nos politiques et intellectuels qui sont favorables aux questions patriotiques ont énormément de mal à savoir travailler ensemble. Et ça, c'est une réelle difficulté pour le camp national. Très bien. Donc pour ma part, je dirais que le Front Populaire, je trouve que c'est une excellente initiative, puisque c'est un moyen métapolitique ou apolitique entre guillemets, apartisan, pardon, de réunir justement des factions politiques, des partis politiques, des personnes de différents bords, mais qui au final sont d'accord sur l'essentiel. Et donc je trouve l'initiative intéressante et en phase avec les réalités économiques, sociales et politiques de notre pays. Et concernant Michel Onfray, je pense aussi que c'est une puissance, comme tu dis, intellectuelle. C'est quelqu'un qui s'inspire aussi beaucoup des autres, mais qui ne le fait pas, dans son discours et dans son analyse, a repris énormément de choses, énormément de ses analyses, en fait, sont celles de François Asselineau, mais il ne le cite jamais. Alors peut-être que c'est voulu pour éviter d'être encarté comme un membre de l'UPR, mais en tout cas, sur énormément d'aspects, il a des points de vue, des critiques, des argumentaires qui sont repris à François Asselineau, clairement. Ça, c'est quand même assez intéressant. Quoi dire de plus? Si, on peut dire quelque chose sur Michel Onfray, ça c'est tout à son honneur, c'est que je l'ai écouté récemment, enfin je l'écoute assez régulièrement, mais il a pas peur, il n'hésite pas à employer des termes et des arguments et des idées qui vont à contre-courant de la pensée dominante, il n'hésite pas à taper très fort sur le système, ses représentants et ses vassaux, et il prend des risques
pour le coup, politiquement. Bon, il est à l'abri parce que financièrement, voilà, il n'y a aucun souci, donc il peut se défendre de toutes les attaques pernicieuses que pourrait, qui pourraient lui venir, qui pourraient venir essayer de le déstabiliser. Il est plutôt confort. Mais en tout cas, voilà, il prend des risques et il se mouille, et donc ça fait plaisir. Voilà mon point de vue. Alors, on a Anthony qui te pose une question. Donc, il te dit: salut Sylvain, heureux de te retrouver ici. Que penses-tu du cybermilitantisme? Penses-tu qu'il faille agir sur les réseaux et as-tu un avis là-dessus? Alors, pour moi, le cybermilitantisme, ça n'a de sens que lorsque c'est corrélé à de l'événementiel réel. Autrement, pour moi, c'est en fait parler à une communauté d'entre-soi, donc ça n'a pas d'intérêt. En fait, quand on veut s'adresser à l'entre-soi pour communiquer de l'information, c'est pas pour balancer des messages partisans qui vont agacer tout le monde, mais c'est plutôt pour annoncer des événements qui sont organisés et qui sont censés être fédérateurs et qui sont bel et bien dans la vie réelle. Par exemple, quand j'annonce une manifestation, là, la prochaine que l'on organise devant les médias, c'est le 5 novembre. Toute la difficulté pour des gens comme moi, parce que je suis pas le seul, c'est de réussir à faire en sorte que le maximum de gens soient au courant qu'une telle initiative soit préparée. Et donc, là où le cybermilitantisme marche, c'est quand tout le monde partage l'information, que ce soit sur sa propre page ou sur des groupes d'affinités, on va dire, d'affinités politiques. En sachant aussi qu'il y a une petite règle avec Facebook, c'est que pour ceux qui veulent gagner en visibilité sur leur propre page, il faut pas publier plus de trois publications en fait dans la journée et les espacer dans le temps. Tout simplement parce que si vous publiez comme un petit fou sur votre page, les premières informations que vous avez publiées disparaissent assez vite dans la barre de défilement et vous ne laissez pas aux gens le temps de réagir. Donc même le cybermilitantisme, ça se réfléchit. Et je considère qu'il doit être le moins prosélyte, le moins partisan que possible et le plus rattaché à de l'événementiel réel. Très bien. Donc on a Bastien Fabre qui nous salue. Salut Bastien Fabre, je suppose. On a Benoît qui nous demande, qui nous dit merci pour la mémoire d'Eric. Et Benoît qui nous demande pourquoi, selon vous, pas de nomination ou peu de délégués départementaux dans les départements. Donc ça, c'est une question plus pour moi, je pense, puisque c'est par rapport à l'UPR. Écoute, j'ai pas de réponse précise à apporter. Je pense que déjà il y a eu le mois d'août, c'était les vacances, donc voilà, je pense que tout le monde a pris un peu de vacances après cette tentative de déstabilisation et cette scission au sein de l'UPR. Je pense que François Asselineau et les membres, le cercle restreint qui l'entoure, ont besoin d'avoir un peu de visibilité, donc. Je pense que ça va être fait dans les prochaines semaines. Je pense qu'ils attendent un peu que les choses se tassent un peu et que les personnalités motivées et que les personnes motivées fassent acte de candidature, tout simplement. Voilà. Après, je ne suis pas dans les petits papiers de la direction. Quand bien même je suis membre suppléant du bureau national, je n'ai pas d'informations précises. À ce sujet, ce que je peux dire, c'est qu'en Gironde, on agit pour l'instant en coulisses, mais on prépare la rentrée, on prépare l'organisation de réunions, d'actions sur le terrain, et on compte bien être présent dans les prochains mois et les prochaines semaines. Voilà, voilà. Alors, donc on en a terminé avec le chat, les questions. On va revenir maintenant sur ton parcours, Sylvain. Donc, on en était donc aux Gilets jaunes. Donc, les Gilets jaunes, c'est un mouvement que t'as suivi de près, un mouvement où t'as été au cœur de ce mouvement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Gilets jaunes, c'est un peu terminé? Oui et non. Alors, je dirais que c'est plutôt en phase de mutation et de resserrement, de réorganisation. En fait, durant les trois premières semaines, nous avions vraiment de tout. Et nous avions la gauche qui nous crachait dessus en disant, grosso modo, ça sent Laurence, parce que ce sont les gueux des campagnes qui sont en train de se révolter. Les Gilets jaunes, c'est d'abord une révolte des campagnes, très clairement. Et que dans les campagnes, on n'est pas vraiment dans les idéologies bourgeoises, hein, très clairement. On est assez simple, on n'est pas forcément l'électeur type du FN, mais on a du bon sens et de la simplicité. Et
les idéologies de la gauche bonbon, rose bonbon, en fait, ça passait pas. Et ça passe toujours pas. Du coup, pendant 3 semaines, c'était assez populaire. Et puis ensuite, on a eu des infiltrations de l'ultra-gauche qui a réussi à prendre le contrôle de l'organisation militante, des cortèges et puis même en partie des revendications. Et donc sur 2 années, ça a généré surtout des violences policières et des échauffourées. Des difficultés et du dégoût, parce qu'il y a des gens qui en ont eu marre et qui se sont dit si j'ai plus le droit de penser comme je veux, ou si chaque fois que je vais en manif, je risque à chaque fois de me prendre un coup de LBD à la gueule parce qu'il y a des excités qui viennent agresser les flics. Bon, tout ça, ça a généré énormément de dégoût, sans parler même des violences policières qui n'avaient rien à voir avec ces infiltrations-là, mais qui étaient simplement ordonnées par le gouvernement pour nous réprimer et nous dégoûter. Sauf que ce qui reste à la fin, c'est la crème de la crème, c'est-à-dire vraiment les gens les plus déterminés et qui sont toujours là, hein, qu'on retrouve partout en province. L'essentiel sont des gens bien disposés. Alors, indépendamment des idéologies de chacun, tout le monde a envie de travailler ensemble. Par ailleurs, les organisateurs de manifs, les influenceurs des Gilets jaunes, les gens qui ont un peu de visibilité, sont nettement moins nombreux et se connaissent mieux qu'il y a 2 ans. Donc, de fait, pour organiser de l'événementiel, c'est beaucoup plus facile, on a beaucoup plus de coopération naturellement. Donc, ça n'est pas mort, c'est plutôt en train de muter tout doucement. Très bien. Très bien, très bien. Écoute, merci pour cette réponse, Sylvain. On a une question... donc, on a une question de Christelle. Christelle qui est assez active sur le chat, qui nous demande quel est le programme de... Alors, je vous rappelle que c'est pas le live de l'UPR, hein, c'est le live du bon sens. Alors oui, oui, l'UPR est un mouvement auquel j'appartiens. Mais bon, si vous avez des questions sur l'UPR, hein, c'est possible de me les poser ici. Mais cela dit, c'est pas le sujet principal de ce soir. Bon, alors je vais quand même répondre à cette question. Quel est le programme de M. Asselineau pour l'éducation? Quelle misère actuellement et qui seront les adultes de demain avec cette médiocrité actuelle? Alors, pour répondre à la première partie de la question, donc quel est le programme de M. Asselineau pour l'éducation? Donc, pour ceux qui veulent savoir, je vous invite à aller sur cette page, je vous la mets dans le chat, vous avez tout le programme qui concerne la partie éducative, sachant que, pour vous dire dans les grandes lignes, la première chose, ce sera... Donc on a Anne Limoges, hein, qui est responsable des questions d'éducation, qui est au Bureau National, qui est professeure des écoles, qui connaît bien ce sujet. Pour vous dire dans les grandes lignes, donc l'éducation, le programme de l'UPR pour l'éducation, ça passera principalement par remettre au goût du jour le fait que l'apprentissage passe par l'effort et la persévérance, qui sont les piliers du développement personnel et de l'estime de soi. Il faudra remettre au goût du jour l'attribution des prix et des bourses d'excellence. La valeur des diplômes doit être réintroduite, donc on supprimera cette volonté politique de donner les diplômes à tout le monde, hein. D'ailleurs on aura un article tout à l'heure là-dessus. Il y a pas mal de choses, hein, qui sont... Je vais pas vous lire tout le programme, mais il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour l'éducation. Valoriser les filières professionnelles. Bon, il y aura beaucoup de choses. Après, je vais pas vous le lire parce que c'est un peu long, je l'ai sous les yeux. Je vous ai mis le lien sur le chat et vous pourrez aller voir par vous-même. C'est la mesure 141, 142, etc. jusqu'à 149. Donc c'est un programme assez étoffé et très en phase avec les réalités pour essayer d'éviter effectivement que la prochaine génération soit médiocre et miséreuse intellectuellement, ce qui est malheureusement le cas. Les dernières études d'ailleurs sont dramatiques concernant le niveau des élèves et des Français. Non seulement le niveau culturel, c'est-à-dire de savoir, donc le savoir c'est pas l'intelligence, hein, le savoir c'est l'apprentissage, le niveau culturel des élèves est bien plus faible qu'il y a 20, 30 ans et encore plus il y a 50 ans, plus grave encore, en fait il y a une baisse du quotient intellectuel, donc le niveau de quotient intellectuel diminue
depuis une vingtaine d'années, ce qui est dramatique puisque le quotient intellectuel, là, c'est l'intelligence, c'est la faculté de raisonner, de faire des enchaînements logiques dans son esprit, et c'est effectivement très grave pour un pays, notamment pour une des plus grandes puissances mondiales. Voilà. Alors, bah effectivement, hein, le programme d'éducation, ça veut dire remettre au goût du jour l'effort, le goût de l'effort, cesser de dévaloriser les diplômes, cesser la politique du moins 10 ans, essayer de mettre en place des filières d'excellence, non pas qui seraient choisies par l'argent, hein, puisque c'est actuellement le phénomène. C'est-à-dire que les personnes riches mettent leurs enfants dans des écoles de riches à 10 000 euros l'année, c'est comme ça que se passe plus ou moins une forme de sélection, ce qui est dommage, puisqu'il y a des personnes qui n'ont pas la bourse, mais qui ont les facultés intellectuelles et qui sont mises au banc. De mon expérience personnelle, ce qui m'a beaucoup déplu dans mon parcours scolaire et universitaire, c'est le fait de tirer les gens vers le bas, en fait. C'est-à-dire que les professeurs, alors après c'est des objectifs, ils sont obligés de respecter, je ne tire pas sur les professeurs en particulier, mais il y a cette fâcheuse tendance à essayer de ne pas avancer trop vite pour toujours que tout le monde puisse suivre. Mais du coup, ça ralentit le premier et ça favorise pas forcément le dernier. Donc je pense que au niveau de l'éducation, on pourrait essayer de mettre en place des filières d'excellence en sélectionnant les élèves les plus brillants et en leur faisant rapidement en les faisant évoluer à leur niveau, à leur vitesse. Voilà. Moi, j'ai été par exemple pénalisé par le fait que on soit obligé d'aller à un certain rythme, le rythme entre guillemets moyen. Moi, j'étais au fond de la classe et je me faisais chier. Alors que j'aurais pu apprendre deux fois plus vite et aller beaucoup plus vite, et ben non, comme il fallait pas aller trop vite, du coup ça pénalise les. Donc on pénalise les uns pour favoriser les autres, mais au final personne, ça ne va à personne. Donc bon, ça c'est de mon expérience personnelle. Bref. Sur l'éducation, c'est pas moi le responsable de l'UPR. Voilà. Ça c'est fait. Alors, Sylvain, alors, on a Christelle qui nous demande, est-ce que Sylvain est à l'UPR ? Oui. Alors, est-ce que tu as toujours été à l'UPR ? Parce que je crois que tu as été... Non, en 2013, j'avais quitté l'UPR. Enfin, j'avais pas renouvelé mon adhésion. Et je suis parti au MPEP un certain temps, deux années, je crois, là aussi, qui est devenu plus tard le PARDEM, mais j'ai pas continué. Et depuis, j'étais resté indépendant jusqu'à la crise récente de l'UPR, ou plus pour faire valoir que je trouvais ça absolument abject de ce qui était fait actuellement sur François Asselineau. Je suis revenu en soutien de même pas de l'homme, mais de l'organisme qu'est l'UPR, dont Asselineau est un rouage essentiel, quoi qu'on en pense. Et par ailleurs, je considère qu'on n'a pas le luxe dans nos réseaux, que ce soit l'UPR ou ailleurs, de tabasser quelqu'un qui nous représente intellectuellement. C'est pas que Monsieur Asselineau, c'est tous les penseurs intellectuels et politiciens qui ont un petit peu de visibilité pour parler des questions de patriotisme. Moi, il me semble qu'il est plus intelligent de les préserver parce que on a vraiment pas le luxe que peuvent avoir les gens qui sont en face et qui peuvent se tirer dans les pattes sans problème. De toute façon, ils sont assurés d'être élus. Ils ont les médias pour eux. Nous, on n'a pas ce luxe-là. Donc, de ce point de vue aussi, ça m'avait un peu exaspéré. Donc, une réadhésion de soutien. D'accord. Et donc le MPEP, alors Christelle demande, après on va revenir rapidement sur l'éducation. Christelle demande pourquoi tu avais quitté l'UPR pour le mouvement. Alors le MPEP, c'est le mouvement politique d'éducation populaire. Alors j'ai quitté le MPEP parce que, j'y suis allé parce que sur deux points de vue. J'espérais m'y retrouver. Un, c'était vrai. Le point de vue politique est beaucoup plus dense et beaucoup plus social et écologique
C'est le front de gauche avec la sortie de l'Union européenne, hein, très clairement. Voilà. En clair, le MPED, c'est pas autre chose que ça. C'est un peu le programme de Mélenchon, mais avec la sortie de l'UE et l'euro. D'accord. Donc ça, c'est ce qui me plaisait. Il y avait une densité écologique et sociale qui était bien plus réfléchie. Par contre, sur le point de vue du militantisme, je me disais, c'était quand même la gauche, c'est une tradition militante bien plus forte. Bon, j'ai été un petit peu déçu parce que c'était quand même plus des personnes âgées. Et bon, le militantisme s'arrêtait à la discussion sans fin sur le fait de dire que tout le monde est d'accord pour dire que ce système est dégueulasse et qu'il faut le changer. Bon, c'est pas mon truc. Moi, je suis pas un grand causeur, on va dire. Ok. Donc sur l'éducation, il y a Anthony qui est également Anthony Terroin qui vient de répondre à Christelle. Anthony qui est membre du bureau national de l'Union populaire républicaine qui dit en substance, le programme de l'UPR sur l'éducation, c'est de remettre en place l'école au mérite qui avait permis de voir des hommes et des femmes de catégorie sociale défavorisée arriver au plus haut niveau dans notre République. C'est vrai. Que encore au milieu des années 70, jusqu'au milieu des années 70, on avait encore cette possibilité de grimper dans l'échelle sociale par l'école. Bon, c'est encore possible aujourd'hui, mais de manière beaucoup plus infime, infinitésimale même, qu'il y a une cinquantaine d'années, parce que en fait, les moyens d'arriver aux plus hautes fonctions ont été trustés par des organes de reproduction sociaux, de reproduction sociale, des organismes de reproduction sociale comme les grandes écoles, etc. Voilà, le but c'est de permettre à tout le monde, de permettre notamment aux personnes, comme le dit Emmanuel Todd, hein, il y a des gens très très intelligents. Qui appartiennent, qui font partie du peuple, hein, qui sont payés, qui ne trustent pas les plus hauts postes, parce que en fait le système de reproduction sociale est suffisamment bien ancré pour que maintenant ils ne puissent plus y parvenir. Et le but du programme de l'UPR, ça va être de permettre à ces gens-là de retrouver la possibilité d'accéder aux plus hautes fonctions et que ce ne soit plus l'apanage des fils d'eux et de l'entre-soi permanent qu'on subit actuellement. Voilà. D'ailleurs, Emmanuel Todd, à ce propos, il faut l'écouter parler. Emmanuel Todd dit que, en gros, aujourd'hui, les élites, entre guillemets élites, hein, sont peuplées d'abrutis et que les gens les plus intelligents sont dans le peuple. Et c'est assez frappant, il l'argumente, il expose très bien son point de vue, c'est d'ailleurs d'une logique implacable, voilà. Alors, on va repartir à nos moutons, parce que là on est en train de dériver un petit peu. Donc Sylvain, au final, ton parcours, ça t'a amené à t'engager politiquement, à t'engager dans des associations, à t'engager sur le terrain, à t'engager en fait pour changer les choses, voilà, en agissant concrètement. T'es pas là juste pour le bavardage, donc tu fais beaucoup de choses, tu es sur tous les fronts, et tu as quand même décidé d'écrire un livre, et donc cette deuxième heure du Live du Bon Sens sera principalement dédiée à parler de ce livre, ce fameux livre. Donc on va mettre la couverture en grand, la couverture de ton livre qui s'appelle Révolte. Donc si c'est bien ça, hein, le titre de ton livre. Alors il y a le sous-titre qui est un peu plus pompeux mais qui est parlant, Essai sur la planification et la légitimité de l'insurrection populaire en France. D'accord. Et donc ce livre, en fait, dis-nous tout. Quelle est l'origine de ce livre? Qu'est-ce qui t'a amené? Ah voilà, on a un petit souci technique. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre? Quel est son contenu? Et combien de temps t'as mis pour l'écrire? Raconte-nous un petit peu le contexte. Bon, alors déjà à la base, je tiens un blog où, d'entrée de jeu, quand j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces questions constitutionnelles, européennes, etc., où je me suis intéressé plus précisément au droit de résistance à l'oppression, qui a une portée dans la philosophie du droit et politique et tout simplement immense. Ça a été réfléchi depuis l'Antiquité et jusqu'à nos jours encore, il y a des juristes qui s'y intéressent. Donc, notant
J'étais à la fois un activiste engagé qui considère que nous ne sommes plus en situation en fait de reprendre le pouvoir par des élections qui seraient réellement libres et non faussées. C'est plus le cas. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire une révolution pour faire une élection gagnante. C'est un peu mon parti pris et c'est ce qui agace un petit peu les intellectuels autour de moi et les politiciens. Mais c'est ma réalité de pensée. Donc il fallait déjà essayer dans la première partie du bouquin que j'ai entamé en 2015, en fait j'ai mis quelques mois pour le rédiger, mais il aura fallu plusieurs années pour le peaufiner et l'enrichir. Donc dès la première partie, je commence par traiter c'est quoi la tyrannie, comment on peut la définir, quelles sont ses formes possibles, en passant de la tyrannie absolument sanglante et totalitaire à des tyrannies beaucoup plus molles comme celles que nous avons actuellement en France. Donc je décris cette tyrannie par un certain nombre de reniements de sa part, que ce soit sur le droit international qui est piétiné, sur notre constitution qui est piétinée, sur notre souveraineté et notre indépendance qui est piétinée, sur le fait que le secret défense lui-même est piétiné pour au profit d'intérêts de puissances étrangères. Donc à partir de là, en fait, je produis surtout un discours qui est juridique pour l'essentiel du temps et un peu un discours économique et géopolitique pour mettre en cohérence tout ça. La deuxième partie est plus une partie qui va traiter du droit de résistance. Donc on accepte qu'il y a une tyrannie qui est bel et bien là et qu'il faut lui opposer une résistance. Et donc il y a une partie qui est assez théorique où je vais me référer au droit international en vigueur, à l'histoire du droit et au droit constitutionnel de différents pays qui ont le droit de résistance, pour développer c'est quoi le droit de résistance du point de vue des juristes, dont un éminent qui a été prix Nobel de la paix en France, le seul d'ailleurs, qui est René Cassin, dont je parle un petit peu dans le livre, parce que c'est un immense juriste qui a accompagné De Gaulle et qui a fourni du droit international dans la rédaction de la charte de l'ONU, qui est très inspiré de l'école française du droit, très clairement. Et la troisième partie, on va dire, c'est vraiment l'opérationnel, le militantisme, comment on reprend le pouvoir, quelles sont les institutions que l'on cible, quelles sont les formes du combat, ce qui est le plus pertinent à attaquer, quel est l'agenda, on va dire, des actes militants à produire, et au moment même où on reprend le pouvoir, s'il y a une épuration, comment on la fait, comment on reste dans les clous constitutionnels, comment on assainit, comment on fait un gouvernement de transition, comment on redonne la main au peuple, très clairement. Donc c'est un peu tout ça le sujet du livre. Ah ben disons gros programme. Alors on va essayer d'y aller dans l'ordre. Tu vois, j'ai refait un peu la présentation du live pour mettre en avant donc ton livre. Donc on va parler de choses. On va parler déjà de la couverture. Cette couverture de ce livre. Comment t'es venue l'idée de choisir déjà ce titre? Alors, le titre, c'est bien moi. La couverture, c'est pas moi, c'est l'éditeur. En fait, c'est le premier titre que j'ai donné, c'est réellement « Essai sur la légitimité et la planification de l'insurrection populaire en France ». Donc, je suis parti dans une démarche de travail qui était très studieuse, typiquement ce que l'on pourrait attendre d'un étudiant, à chercher mes sources, si possible dans le mainstream ou les sources officielles, parce que les accusations au complotisme, dès lors qu'on cite un site un petit peu tendancieux, c'est pas très sérieux, quoi. Donc, j'ai d'abord fait un gros travail de source. J'ai rédigé mon bouquin. Je l'ai titré d'abord dans la forme longue. Et puis, je me suis dit, de façon commerciale, c'est pas très vendeur non plus de le titrer comme si c'était un mémoire ou un doctorat, une thèse de doctorat, mais plutôt le titrer de façon plus courte. Et comme de toute façon mon bouquin parle de révolution et appelle à la révolte très clairement, pacifique, hein, je dis bien, mais quand même appel à la révolte, bah, le titre faisait sens. Révolte, ça me paraît être un très bon titre. D'accord. Et donc alors, la couverture, la première de couverture, la quatrième de couverture, comment ça s'est sélectionné? Qui a choisi les couleurs, les... Alors ça, c'est mon éditeur. En fait, au départ, j'avais une couverture qui était préexistante, qui faisait voir en fait une partie d'échec. Donc, par un camarade de l'UPR, d'ailleurs,
que je salue, qui s'appelle Pascal, qui m'avait fait ce travail en infographie. L'éditeur, lui, de son côté, a préféré recommencer une couverture et, à juste titre, considère qu'étant bien intriqué dans le combat des Gilets jaunes et que c'est quand même l'actualité du moment, que c'était bien de les mettre à l'honneur. Donc voilà, et puis la quatrième de couverture, c'est une petite synthèse avec la petite bio habituelle, on va dire. D'accord. Alors, on va aller dans le chat un petit peu. On a Christelle qui est assez curieuse, Christophe également. Alors, on va. Donc, tu as deux questions qui te sont posées. Donc, la première, c'est Christelle qui demande Sylvain, préconisez-vous une révolution? Et si oui, le modèle de 1789 est obsolète, de quelle manière? Oui, je préconise une révolution, mais il faut déjà définir le terme parce que c'est un terme qui a tout son imaginaire derrière lui avec les fourches et les piques. Et c'est pas du tout comme ça que je le regarde. Moi, j'ai plus le regard des juristes qui s'intéressent au droit international et constitutionnel, qui, dans leur philosophie, dans leur acception du mot révolution, vont être beaucoup plus neutres. Ils vont le régime politique, l'idéologie qu'il y a derrière, ça les intéresse pas tellement. Ce qui, pour eux, est une révolution, c'est le fait qu'un peuple, d'une façon ou d'une autre, par un rapport de force, au moment d'une crise politique, parvient à renverser les tenants de sa tyrannie et donc les remplacer par d'autres élites politiques. Une révolution, c'est ça. C'est un phénomène qui crée du droit parce qu'on est en dehors du remplacement institutionnel des élites politiques. Ça s'est fait par le fait. Les juristes diraient peut-être que c'est un moment sui generis. Toujours est-il que c'est ça, moi, qui m'intéresse dans la révolution, c'est comment on renverse nos élites politiques, si on peut parler d'élites, notre oligarchie. Donc, c'est ce que je préconise, c'est ce qu'il faut faire. Après, c'est tout l'intérêt du bouquin que de comprendre les différentes stratégies. Il y en a quand même une que l'on voit assez régulièrement en pratique, c'est celle de prendre le contrôle des médias, donc en les assiégeant régulièrement. C'est tous les premiers samedis du mois qu'on organise ça. Donc c'est concret, c'est populaire et c'est pacifique. Il y en a une deuxième sur laquelle je travaille et je vais peut-être ennuyer Xavier parce que comme il est juriste, il n'y a pas de raison de ne pas l'embêter, qui sont les tribunaux populaires que je souhaite organiser. En fait, durant les épisodes révolutionnaires, très souvent, il y a eu des tribunaux d'exception qui ont été montés. Ça a été vrai durant la Révolution française, durant la Commune et durant d'autres périodes, durant la Restauration républicaine, fois le régime de Vichy tombé. Et ces tribunaux d'exception, bon, alors eux, ils étaient quand même un peu sanglants la plupart du temps et ils avaient une valeur de loi, donc c'est pas exactement ce que j'ai en tête, mais se permettaient de juger les traîtres, très clairement. Ils jugeaient les traîtres parce que la justice était impuissante, ne pouvait pas s'autosaisir. Le Parlement lui-même était impuissant et plutôt soumis à la tyrannie en place, donc il n'y avait aucune institution qui marchait pour juger les traîtres. Or, quand on veut destituer des dirigeants, il faut encore au moins le justifier sur le plan juridique. Ce n'est pas simplement des considérations idéologiques ou politiques qui doivent nous motiver, mais bien dire, attention, cette personne a violé la Constitution, elle a violé le droit international, elle a violé des lois du code pénal, donc elle n'est pas légitime à gouverner un pays, c'est un criminel. Un criminel, sa vocation, c'est d'être en prison, pas à l'Élysée. Donc si nous, on organise des tribunaux populaires, ce à quoi j'appelle, ou en gros, on fait le procès fictif d'Emmanuel Macron, par exemple, sur l'affaire Alstom. Donc, il y a un procureur quelqu'un qui joue le procureur qui dresse les réquisitions d'Emmanuel Macron sur cette affaire. Quelqu'un qui joue l'avocat de la défense qui fait une plaidoirie de défense en bonne et due forme d'Emmanuel Macron pour faire voir qu'il n'était pas le seul aux responsabilités, on va dire, à ce moment-là. Et on demande au public qui a été invité de juger, oui ou non, de la culpabilité d'Emmanuel Macron, comme s'il avait été jugé dans un vrai tribunal d'assises. Et ce qui est intéressant, c'est d'inviter évidemment la presse, puisque le but c'est d'attaquer sa légitimité, de faire de la pédagogie sur le droit pénal que les Français ne connaissent pas, notamment les articles qui qualifient la haute trahison ou les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Ce sont des lois qui sont méconnues des Français. De même que le droit international et la Constitution, ce sont des textes qui sont très peu connus des Français. Donc c'est une façon de leur faire de la pédagogie, de bien requalifier le fait que certains actes politiques ne sont en vérité que des crimes, et rien d'autre, et que ça légitime totalement notre désir de destituer ces gens-là. Et
Donc là, on a un cabinet d'avocats qui est prêt à jouer pour nous pour 2000 euros, c'est-à-dire sur les écritures, des réquisitions et de la plaidoirie de défense. Et toute ma difficulté, c'est là encore de trouver des partenaires ou des gens qui seraient prêts à mettre un petit peu au pot pour qu'on puisse organiser ces tribunaux, sachant qu'on a déjà des comédiens de théâtre qui sont prêts à les jouer pour nous, ces écritures. Donc voilà. D'ailleurs, je suis très curieux de la pensée de Xavier là-dessus, qui aura peut-être un regard plus prudent et plus légaliste. Écoute, donc mon point de vue, c'est que je trouve ça politiquement intéressant d'organiser effectivement des tribunaux fictifs d'exception. Sur le fond, tu as raison, en cas de révolution, on ne peut pas condamner des dirigeants juste sur d'un point de vue moral ou politique. Il faut qu'il y ait des textes, il faut qu'il y ait un fondement juridique à leur condamnation pour les qualifier tels qu'ils sont réellement, c'est-à-dire des criminels, des personnes qui usent de leur autorité et de leur pouvoir pour s'accaparer des richesses, s'accaparer des droits, des privilèges qu'ils ne méritent pas et que l'élection ne leur octroie pas. C'est la réalité actuelle. Alors, faire des tribunaux d'exception comme ça, fictifs, c'est intéressant parce que, ne serait-ce que... c'est symbolique, c'est très fort symboliquement, ça peut avoir un certain retentissement avec notamment aujourd'hui la possibilité par internet de rediffuser ça, de mettre la vidéo sur YouTube, etc. Et ça peut permettre aussi de faire prendre conscience aux personnes concernées et au peuple que on est bien loin de la démocratie, on est bien loin de la République, on est plus proche de la ploutocratie et de la République, hein, si je peux me permettre, que de la démocratie et de la République, quand on voit comment fonctionne actuellement la société française. D'un point de vue juridique, alors, ce qui est dommage, c'est que les condamnations, enfin les infractions au code pénal de haute trahison ont été supprimés. Ah non, pas du tout, justement. Alors, les articles 411 à 411 du code pénal les qualifient parfaitement. Alors, il y a quelque chose qui a été modifié pour... Dans la Constitution, oui. En fait, on a retiré dans l'article 68 le fait qu'un président pouvait destituer en cas de haute trahison, très clairement, pour remplacer ça par manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec ses devoirs. Ce qui D'accord. Veut tout rien dire. Ça veut tout dire et rien dire. C'est plus vague. Mais par contre, dans le code pénal, les articles sur les intelligences avec des puissances étrangères, donc la haute trahison, en fait, existent toujours bel et bien. L'article 401 du code pénal définit ce qui relève de l'espionnage ou de la trahison en fonction de qui commet l'acte. Donc, est-ce que c'est quelqu'un d'origine nationale ou est-ce que c'est un étranger ? Et les articles suivants, donc 411.2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., qualifient les différentes formes de trahir l'État. D'accord. Donc oui, effectivement, ça, c'est intéressant comme projet. Voilà, c'est intéressant comme projet. À pousser au bureau national pour qu'il puisse m'entendre là-dessus et qu'il lâche 2000 balles pour les écritures. Je sais pas si l'UPR a les moyens de financer ça. Par contre, des juristes capables de rédiger des écrits, des plaidoiries, ça c'est possible de les trouver. Et si on avait ça, les réquisitions Alstom et la plaidoirie de défense. Ma foi, on peut les lancer gratuitement derrière les tribunaux populaires et ça pourrait aller très vite. Donc il y a Anthony qui demande, tu as besoin de quoi pour organiser ces tribunaux ? Juste les écritures. Encore une fois, c'est que parce qu'en fait, moi je suis un juriste amateur, donc je vais m'intéresser au droit et ce que je peux trouver autour du droit écrit, parce qu'il y a la jurisprudence aussi qui mérite d'être étudiée. Mais j'ai mes limites. D'abord, je ne pratique le droit pénal, constitutionnel et international, ce qui ne me permet pas d'avoir une vision d'ensemble du droit. Ensuite, surtout le plus important, je n'ai pas de diplôme. Donc le fait d'être sans diplôme fait que je pourrais tout à fait faire les écritures moi-même, d'autant que j'ai étudié les procès
Pétain et Laval, qui sont très instructifs pour une plaidoirie de défense sur des actes de trahison, très clairement. En haut, ce qui avait été joué à l'époque, c'était la dilution des responsabilités. On disait tout simplement, dans l'appareil d'État, il n'y avait pas que moi, Pierre Laval, ou moi, Pierre ou Maréchal Pétain, pour prendre ces décisions. Il y avait tout un tas de contre-décisionnaires qui auraient pu refuser d'apposer leur signature et démissionner. Mais personne ne l'a fait. Donc c'est aussi intéressant parce que ça permet de faire voir toute la chaîne de commandement qu'il y a derrière une décision comme la cession d'Alstom aux Américains. Ça permet de mouiller tout le monde, on va dire, cette stratégie de défense. Mais en même temps, le but, c'est que ce soit honnête, parce que ça doit être un vrai débat. On doit savoir si on est dans le politique ou dans le juridique, et il faut que ce soit honnête. Et le fait d'avoir des écritures rédigées par des spécialistes qui sont avocats, juristes, peu importe, mais diplômés en droit, où personne peut, aucun journaliste ne peut remettre en cause le fait que les écritures qui ont été lues, jouées devant le public soient bel et bien le fait d'avocats qui clairement, je pense quand même, auront à cœur de faire au mieux leur travail, parce que tout peut se discuter, on ne sait jamais quelle est l'issue d'un procès, mais en tout cas, dans la logique d'un avocat, c'est d'éviter la bêtise, de quand même plaider en fonction d'une réalité de droit. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est justifier que ce que l'on peut jouer devant les Français soit validé par un diplôme d'un juriste ou d'un avocat, et donc que les écritures, ce ne soient pas des militants comme moi qui s'en chargent, quand bien même on pourrait très bien maîtriser le dossier, mais réellement des juristes qui mettent leur caution, j'ai mon diplôme derrière moi. Comme ça, le jour où on aura des journalistes qui nous poseront des questions, on pourra les renvoyer vers ces juristes en disant, écoutez, ça a été fait par un cabinet juridique. C'est pas nous qui l'avons écrit. Après, on en fait des tonnes avec les diplômes en droit, mais en fait, le droit, c'est surtout c'est connaître des choses. La seule intelligence, entre guillemets, du juriste, c'est de faire ce qu'on appelle du syllogisme juridique, c'est-à-dire mettre en correspondance des faits avec des textes. En ce qui concerne le droit pénal, le syllogisme juridique repose sur une technique, c'est l'élément matériel et l'élément moral. Donc tu prends un article dans le code pénal, enfin tu prends une infraction du code pénal, il y a toujours deux éléments à qualifier, l'élément moral et l'élément matériel. Donc l'élément intentionnel, c'est l'élément moral, et l'élément matériel, c'est le fait concret, la preuve tangible qui matérialise l'élément intentionnel, en fait. Et voilà, et après tu qualifies l'infraction, quoi. C'est pas très compliqué. Voilà. Alors, c'est intéressant, cette histoire des tribunaux. Donc on a Christelle qui nous dit tous les plus tard. Ah, ça devrait être télévisé. Plus tard, alors à mon avis, ce que vous voulez dire, c'est plus tard, ces tribunaux d'exception devraient être télévisés afin que le peuple sache. L'idée est au goût du jour. Quel est votre point de vue à ce sujet? Je suis pour. la révolution, il y a deux révolutions qui commencent avec les médias. Il y a la chute de Ceausescu en Roumanie en 1989, et puis il y a la révolution bolivarienne dans les années 90, fin des années 90. Où dans les deux cas, ce sont des médias audiovisuels du pays qui sont repris sous le contrôle des insurgés. Et on va faire le procès, clairement, des despotes à la télévision, particulièrement pour la révolution en Roumanie. Nous, si on veut reprendre le contrôle des médias, il y a quand même un petit point qu'on essaierait de placer, enfin, moi je m'engage à placer dans les 5 minutes que je pourrais obtenir de mon côté, ce sera pour justement dresser les réquisitions d'Emmanuel Macron. Que ce soit sur l'affaire Alstom, que ce soit sur le bombardement en Syrie ou la répression folle des Gilets jaunes, et on pourrait même, je pense, alourdir le réquisitoire avec la gestion du Covid, mais bon, je n'irai pas jusque-là. Toujours est-il que je prendrai vraiment les points les plus dangereux pour lui, afin de les exposer à la nation et demander aux armées de ne plus reconnaître la légitimité d'Emmanuel Macron à exercer le pouvoir présidentiel et de se protéger sur l'article 7 de la Constitution qui proclame qu'en cas de vacance de la présidence de la République, le président du Sénat, donc une autorité civile, reprend la main et organise des élections anticipées. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on pourrait poser d'ailleurs un gouvernement provisoire. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de pas être naïf. Les révolutions se terminent avec le consentement tacite ou proactif des armées.
L'idée, c'est pas d'avoir un gouvernement militaire, mais simplement d'avoir leur soutien au moment clé. Puisque je rappelle que, par exemple, lorsque Ben Ali a été renversé, c'est pas les civils qui sont rentrés dans le palais présidentiel, c'est simplement les militaires qui ont dit à Ben Ali, bon, t'as 10 minutes pour faire tes valises, tu te casses, parce que c'est le seul moyen de restaurer l'ordre public. Bon, c'est un petit peu le même enjeu, hein. Si à la télévision, on a le temps d'exposer les raisons qui font qu'on veut destituer Emmanuel Macron sur le plan juridique, le faire passer pour un criminel, appeler les armées à jouer leur rôle dans ce cadre et avoir quand même le soutien du peuple, tant qu'à faire, c'est une façon vraiment d'attaquer une bonne fois pour toutes la légitimité de Macron à exercer et le mettre en situation très critique. Très bien. Alors on va attaquer un petit peu, il nous reste une petite demi-heure pour parler du fond de ton livre, parce que du coup on n'aura pas le temps malheureusement de parler de l'actualité, on fera ça la semaine prochaine. Je garderai de côté les meilleures actualités pour revenir sur l'actualité la semaine prochaine. On n'aura pas le temps malheureusement ce soir. On va parler un peu du fond de ton livre, Sylvain. Ce livre, Révolte, essai sur la légitimité et la planification de l'insurrection populaire en France. Est-ce que c'est un mode d'emploi sur la révolution à mener? Qu'est-ce qu'il contient? Quel est son sommaire? Quel est le contenu, l'essence de ce livre? Bon, c'est plusieurs choses à la fois, mais c'est clairement un manuel de résistance. Hein. C'est bien un plan de bataille qui exclut de toute façon la violence révolutionnaire. Non pas dans le sens où les juristes la déconsidèrent, bien au contraire, tous les juristes considèrent que dans les épisodes révolutionnaires, la violence se légitime par le fait. Donc, c'est pas un problème des juristes. Mais je reste quand même dans cette logique très germanique, pour le coup, de dire, avant d'en arriver à une insurrection violente, il est impératif de saisir tous les moyens légaux et pacifiques qui sont à notre disposition pour renverser un pouvoir avec ces moyens-là. Et je pense que nous les avons. Et c'est donc l'ensemble de ces moyens que je donne et que je mets en cohérence dans le bouquin, dans la seconde partie en particulier. La première partie est quand même bien un plus un bouquin, alors qui, pour des dissidents bien informés, sera de nature à préciser quelques informations qu'ils ont déjà ou leur permettre d'appréhender des notions qu'ils n'avaient pas nécessairement, notamment en particulier vis-à-vis du droit. Par contre, ce sont des faits qu'ils connaissent. Je traite des faits qui ont fait quand même l'actualité de la dissidence politique. Par contre, pour des gens qui ne connaissent pas du tout ce dont on parle, alors là, c'est une immersion complète dans les questions géopolitiques et économiques et monétaires qui sont notre pain quotidien. Donc, il y a cette première partie-là. Il y a une partie très approfondie, très théorique. Il y a, alors je vais peut-être passer à la rigueur sur un passage du bouquin qui est en fin de bouquin, où j'évoque une des choses que l'on pourrait faire politiquement. Alors ça, c'est dans le cadre électoral, pour le coup, pour avoir le peuple avec nous. Et ça, je tire d'une expérience où j'ai traversé la France par deux fois avec un camarade à pied pour consulter la population, très clairement sur ses opinions politiques et sa culture politique, et me faire un avis. Donc c'est plus de 1000 personnes avec qui nous avions discuté, plus de 500 enregistrements. Et mon point de vue est le suivant, c'est que la majorité des Français ne retourneront pas aux urnes, n'auront aucune confiance aux politiques avant très longtemps, sauf si on les attire à partir de ce que eux demandent. Il y a donc une proposition que je formule qui est tout bête, qui est strictement politique cette fois-ci, qui est de dire, écoutez, nous, si on vous vend la souveraineté nationale, la démocratie, les régulations économiques, la relance industrielle et agricole, etc., vous allez en avoir rien à foutre, vous n'allez pas nous croire, vous allez considérer qu'on vous vend du rêve comme les autres, que si on augmente vos salaires, c'est pour mieux vous embobiner sur les impôts ou inversement. Donc, c'est des discours qui ne marchent pas. Et d'ailleurs, la preuve étant, c'est qu'à la dernière campagne présidentielle, eu égard au peu de temps de parole dont ont bénéficié les petits candidats, entre guillemets, on peut s'étonner que François Asselineau et Jacques Cheminade, qui avaient un langage très technique, qui quand même évoquaient des questions économiques essentielles pour l'intérêt national,
tous les deux ont été sortis du rang avec moins de 1%, je crois, de vote favorable. Pourtant, ce qu'ils disaient était d'intérêt national. Si on veut vraiment avoir les Français avec nous, il faut s'intéresser à eux et leur proposer le contrat suivant. Votez pour nous. Nous, on vous garantit qu'au moment où on sortira de l'UE l'euro, on mettra, pas exactement sur vos comptes, mais un compte associé qu'on créera pour vous, la somme de 30 000 euros. Vous en ferez ce que vous voudrez. Vous ne pourrez pas, en revanche, pas la capitaliser. Vous ne pourrez pas la placer dans différents placements d'épargne ou actions, etc. Vous ne pourrez pas la sortir du territoire. Vous pourrez cependant payer vos impôts avec. Vous pourrez payer toutes vos factures en souffrance avec. Vous pourrez consommer ce que vous voulez avec, que ce soit un bien immobilier, une voiture, un pot Nutella ou acheter votre parcelle de terre. C'est important, le Nutella. Ouais, voilà. Mais clairement, leur donner, on dit voilà, vous achetez votre vote, on l'achète très clairement, on n'a pas peur de le dire. On fera de la création monétaire, ça nous coûtera 1 350 milliards d'euros que de faire une telle création monétaire, sachant qu'à peu près 20% ça reviendrait automatiquement dans les caisses de l'État dès la première année. Et ce serait aussi une monnaie fondante, c'est-à-dire qu'à partir du troisième mois où le mécanisme est institué, 10% de la valeur du capital qui a été engagé par l'État, en fait, va disparaître chaque mois jusqu'à restitution complète pour les gens qui n'auront pas dépensé l'argent. Parce que 30 000 euros par tête de pipe, 30 000 euros par français, ça fait 1 800 milliards d'euros. 350 milliards. 30 000 euros fois 60 millions. Non, fois 45 millions d'électeurs. Ah, d'accord. Les gens en âge de voter sont 45 millions. Donc à partir de là, tu... Ça fait 1 350 milliards d'euros. Voilà. Et donc si tu fais ça, c'est un gros engagement de la part de l'État, mais ça peut s'expliquer quand même du point de vue strictement économique, puisque c'est de la monnaie hélicoptère, ça n'est pas nouveau. Ça a même déjà été testé aux États-Unis avec la crise du Covid, à raison de 3 000 $, hein, pas autant. Par ailleurs, ça fait un choc de consommation qu'il faut pouvoir suivre. Donc les entreprises ont besoin de recruter en urgence pour pouvoir suivre ce choc de demande. Donc c'est un autre avantage, c'est qu'on crée immédiatement des emplois. Par ailleurs, les gens qui ont des impôts en souffrance ou des factures en souffrance vont les payer parce qu'ils vont vouloir sortir de cette épée de Damoclès, de même qu'ils auront envie d'apurer des crédits s'ils le peuvent, ce qui fait que la comptabilité nationale, qu'elle soit publique ou privée, s'assainit de fait. C'est une forme de jubilé, hein. C'est vraiment l'extinction des dettes privées et publiques d'un coup. Et une relance économique qui ne se suffirait pas elle-même, il faudrait des investissements de long terme. Mais disons que si on a fait une telle relance violente, qui serait justifiée en plus par le fait que la France a perdu avec l'euro, selon les chiffres allemands, enfin de je ne sais plus quel organisme allemand, environ 55 000 euros par tête de pipe, 30 000 euros qui leur seraient reversés, c'est pas cher payé, et ça pourrait vraiment nous aider à faire une relance et puis à vendre la question de la sortie de l'Union européenne. Et expliquer au passage c'est quoi la création monétaire. Donc ça, c'est une proposition strictement politique. Hein. C'est vraiment pour faire bander les Français et les amener clairement à venir voter pour un parti, quand bien même ils le voient très peu à la télé, et ce parti décide de mettre de côté ses ambitions plus démocratiques. Typiquement, hein, l'UPR, Solidarité et Progrès, ou d'autres partis que l'on peut avoir en tête, qui auraient l'intelligence de se rassembler, parce que je pense quand même que ça serait bien si ces partis pouvaient faire front commun, mais au-delà de ça, dire nous vous faisons une proposition que l'on va vous vendre dans le peu de temps qui va nous être octroyé, on ne va pas vous parler des référendums d'initiative citoyenne, de souveraineté nationale, de protectionnisme, de choses comme ça, on va vous dire directement ce qui vous intéresse. Vous voulez du pognon, c'est la seule chose que vous demandez, pas de souci, on va vous le donner. Et ça, ce serait le ticket gagnant. Un autre ticket gagnant, je pense, c'est de présenter son gouvernement par avance. D'accord. Et donc on dit au revoir à Christelle qui nous dit à bientôt et qui te remercie d'avoir fait ta connaissance. Elle dit que cette interview lui a donné envie de lire ton livre et d'en parler une fois lu. Voilà. Eh ben, merci beaucoup à toi, Christelle. Donc n'hésitez pas, allez acheter le livre de Sylvain dès qu'il sera sorti. Est-ce qu'il sort quand ton livre exactement? Alors là, je viens de recevoir les dernières corrections à produire. La maquette est prête, donc en
toute logique, d'ici 3 semaines, au dernier taquet, c'est imprimé, déjà, j'aurai déjà les premiers cartons. D'accord. Donc on pourra le commander. C'est toi qui fais les envois directement ? Eh ouais, avec mes petites mains, je vais devoir m'occuper de tout ça. Ah ben c'est très bien, ça va avoir du charme. C'est très sympa. Tout à fait. J'adore. Donc on a Anthony qui nous dit qu'il y a un problème avec les règles électorales qui disqualifieraient le candidat car on n'a pas le droit d'acheter un vote. Ah si, parce que là tu le présentes bien comme une mesure de relance économique. Oui, voilà. Ouais. Tu peux toujours, il pourrait s'amuser évidemment en face, soit l'argument serait considéré comme disqualifié comme étant démagogique, soit il chercherait à nous chercherait des poux avec le terrain des lois. Mais en fait, pour nous, ce serait vraiment pas un problème parce qu'on dirait non, c'est bien une relance économique qu'on assume, qu'on veut faire, qui est un engagement aussi des Français parce qu'une création monétaire sur leurs impôts, c'est un contrat qui est passé avec eux, donc c'est pas gratuit, entre guillemets. Non, c'est bien une mesure politique et assumée. Très bien. Donc, si je comprends bien ton livre, dans la première partie, c'est assez théorique, tu essayes d'exposer les raisons pour lesquelles il faut mener la révolution. Mmh. Et dans la deuxième partie, donc tu exposes la manière de mener cette révolution. C'est ça. Donc encore une fois, sur le plan de la théorie, parce que je pense que c'est bien quand même de former les gens à la philosophie du droit de façon générale, donc il a fallu un petit peu réexpliquer c'était quoi le concept de souveraineté nationale et de droit de résistance, et me référer encore une fois à ce qui existe dans le droit international comme dans le droit des nations, on va dire. Donc c'est d'ailleurs assez marrant, le droit européen reconnaît par défaut indirectement le droit de résistance à l'oppression, parce que la Convention européenne des droits de l'homme n'en parle pas, comme d'ailleurs du droit à l'autodétermination des peuples, ce sont des non-dits de la Convention européenne. Mais par contre, là, je ne sais plus quel article du traité sur l'Union européenne dispose bien que le droit constitutionnel des États fait partie du droit européen. Donc, par défaut, nous avons aussi le droit à l'insurrection, et puis le droit à la souveraineté nationale, ça aussi reste garanti d'une certaine façon. Donc j'explique tout ça, et puis surtout j'arme. Je dis voilà, il y a des méthodes, on peut décrocher des drapeaux européens comme tamponner nos billets du sceau franc. C'est de la révolte symbolique mais virale. Et il y a de la bataille judiciaire en tout cas sur les drapeaux. Sur la francisation de la monnaie, ça pose aucun problème, c'est totalement légal, il n'y a absolument aucune entrave là-dessus. Il y a la révolte postale que j'invoque. Donc par exemple, l'Élysée reçoit 1500 courriers par jour. Il suffit simplement que chaque semaine tout le monde imprime un PDF d'un texte que l'on a voté sur un site internet pour blinder de courrier les services de l'Élysée, qui sont bien obligés de le décacheter parce que la moindre menace de mort qui serait envoyée par quelqu'un, il faut qu'il le sache. Donc on fait saturer leurs services parce qu'ils n'ont pas le choix que de décacheter ce courrier là surtout si c'est pour invectiver Macron et lui dire de dégager, c'est toujours assez marrant, et puis ça coûte rien. Donc, même des handicapés, des gens qui peuvent pas bouger en manif peuvent faire ça. J'évoque évidemment les questions des manifestations, les lieux de rassemblement les plus pertinents, le rapport qu'on doit avoir avec l'armée, la question de la diplomatie aussi alternative, où il faut se rapprocher de chancelleries étrangères qui nous soient favorables, le fait de créer un gouvernement, le plébisciter, c'est-à-dire faire de la désignation populaire en disant tous ceux qui nous font de l'éducation populaire depuis des années sur certains sujets, qui ont une certaine vision politique. Par exemple, si on prend les questions d'éducation, quelqu'un qui va être très reconnu dans nos réseaux, c'est Franck Lepage. Franck Lepage est très apprécié. Et si on constituait un gouvernement en disant, voilà, on va voir pour ministère par ministère, on va proposer des personnalités, on vote pour faire l'entonnoir, ces gens-là nous ont rien demandé, mais en fait, ils sont tous visionnaires, techniciens, un peu connus, et ils sont bons pour le poste, c'est mieux que de chercher le leader unique qui serait censé nous fédérer. Un gouvernement plébiscité par une dissidence, non seulement il est prêt à gouverner et à reprendre la main, mais en plus, comme tout le monde a à boire, tout le monde va trouver finalement à boire et à manger, mais va y trouver quelque chose qui lui plaît, on éteint, on va dire, les divisions stériles. C'est d'ailleurs ce que je pense que les partis politiques pro-souveraineté devraient faire, c'est vraiment encore une fois s'unir en disant on s'accorde sur la question de la sortie de l'euro et l'OTAN et le référendum d'initiative citoyenne.
c'est au moins nos minimums politiques. Et pour le reste, on fait une espèce de primaire pour que l'un d'entre nous soit élu pour porter tout ça. Mais par contre, on se promet d'être tous au gouvernement. Le simple fait de dire tout le monde se promet d'être au gouvernement, peu importe qui remporte la primaire, est une caution politique pour l'ensemble, de pouvoir de toute façon exercer quelque chose, mais aussi pour les électeurs qui se diront, bah, on a tous nos intellectuels et politiciens du camp national qui sont vraiment ensemble pour mener un projet concret et politique pour nous sortir de là. D'accord. Et donc, cette méthodologie, elle est applicable dès aujourd'hui ou il y a des conditions pour que ce soit possible ? Non, la seule difficulté pour moi, c'est les tribunaux populaires parce que c'est le seul travail militant qui réclame réellement de l'argent. On peut dire que la presse alternative s'en réclame un petit peu, mais c'est moins difficile à mettre en œuvre, on va dire. Les tribunaux populaires, c'est quand même des cabinets d'avocats que l'on paye, donc rien que ça, ça signifie de l'argent. Les manifestations, on pourrait aussi, avec de l'argent, faciliter la mobilisation simplement en organisant des concerts. C'est très con, mais si on a les moyens de payer de la scène et puis inviter des artistes à jouer ou à nous faire rire, il est évident qu'on va rassembler beaucoup plus de monde. Donc le nerf de la guerre dans le militantisme, on ne peut pas se cacher que l'argent a un rôle à jouer pour différentes formes d'organisation. Il y a aussi des choses que l'on peut faire avec ses propres deniers. Moi, je suis au RSA. Je monte une fois par mois sur Paris. Ça me coûte, très clairement. C'est, d'ailleurs, ça y est, je suis déjà à zéro alors qu'on est en début de mois. C'est quand même des choses à faire parce que quand on va au-devant d'institutions de pouvoir, que ce soit le Parlement, les médias, ou même les régiments militaires qui sont dispersés partout en France, pour sensibiliser l'armée d'un côté ou pour faire pression sur les parlementaires ou les journalistes, dans tous les cas, on est bien là où il faut, on est dans une démarche absolument pacifiste, on est régulier, on est déterminé et on cherche à gagner le nombre pour justement être en capacité d'influencer réellement. Pour le coup, c'est vraiment le nombre qui va influencer. Donc oui, c'est vraiment un manuel militant à proprement parler, avec des choses qui sont faisables immédiatement, qui sont tout de suite applicables, et d'autres qui réclament plus de soutien, et d'ailleurs j'espère que les ventes du livre me permettront de financer ce que je n'arrive pas à financer pour le moment. Très bien. Et donc, si j'ai bien compris, l'armée est un pilier de cette révolution ? Oui. Non mais très clairement, de toutes les révolutions, en fait, on peut... s'amuser à les regarder dans l'histoire, l'armée à un moment a joué son rôle. Pas forcément d'ailleurs parce qu'elle était favorable aux insurgés, mais simplement parce que l'armée voulait rétablir l'ordre public. C'était son leitmotiv. Donc lorsqu'elle voit qu'un pouvoir politique en exercice n'a plus de légitimité, n'a plus de capacité à se faire obéir, l'armée à un moment pour préserver l'État, pour préserver la continuité de l'État, préfère faire le choix de pousser vers la sortie l'oligarque ou le despote contesté, plutôt qu'entretenir une situation de pourrissement qui est dangereuse d'une certaine façon sur le plan militaire. Puisque tant qu'il n'y a personne qui est réellement aux manettes avec une légitimité populaire pour commander les armées, tout simplement, l'armée se retrouve avec une difficulté de commandement légitime. C'est pour ça que l'armée réagit toujours à la fin et qu'il vaut mieux tout de suite, par anticipation, commencer à nouer des contacts avec des militaires de haut rang, si possible, ou des gens qui sont sortis de l'armée, qui est un peu le travail que j'ai déjà fait depuis pas mal d'années, qui chemine, on va dire, pour que le grand soir venu, l'armée soit capable de se positionner dans l'intérêt du peuple. Et alors, est-ce que tu penses que ton essai te vaudra quelques recherches de la part de la Direction Générale du Renseignement Intérieur ? Ils me connaissent déjà, donc ils n'ont pas besoin de ça. Ça fait depuis 2013 que j'ai eu des contacts informels avec ce qu'on appelait autrefois les RG. Ils me connaissent aussi du fait que j'organise régulièrement des manifestations, donc forcément on est en contact avec les renseignements généraux à chaque fois qu'on organise ça. Ils savent très bien quelle est ma démarche, qu'elle est vraiment offensive, mais que je suis quelqu'un d'extrêmement légaliste et soucieux d'une certaine rigueur militante. Et il se trouve que je suis apprécié
de l'aveu même de nombreux policiers qui m'ont dit qu'ils appréciaient en fait venir directement à nos manifs, parce qu'ils savent que non seulement je suis quelqu'un de très cadré dans l'organisation des événements proprement dit, mais que ma démarche n'est pas bisounours du tout, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je suis quelqu'un qui peut être vraiment incendiaire quand même dans les mails que je peux envoyer, compris au préfet, hein, alors que je déclare des manifestations. Je suis quelqu'un de virulent, mais par contre, je suis toujours armé du droit et d'une certaine cordialité dans la façon de m'adresser à ces institutions. Donc je suis suivi, je suis connu, et en fait ma démarche est plutôt appréciée parce que je suis un bon troll, hein, d'une certaine façon. Alors on va pas terminer sur cette petite phrase, mais par contre je voulais avoir ta réaction à ce texte que j'ai repéré, qui me semble être suffisamment en phase avec le sujet du jour. Donc c'est un texte de Gunther Anders que je vais lire, que je t'ai envoyé au préalable par mail, donc que je vais lire rapidement. Donc ce texte s'intitule « Pour étouffer par avance toute révolte ». Alors, pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Les méthodes du genre de celles d'Hitler sont dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même pas à l'esprit des hommes. L'idéal serait de formater les individus dès la naissance, en limitant leurs aptitudes biologiques innées. Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l'éducation, pour leur amener à une forme d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité, et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en quelque sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste, que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Surtout, pas de philosophie. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe. On diffusera massivement, via la télévision, des divertissements flattant toujours l'émotionnel ou l'instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon, dans un bavardage et une musique incessante, d'empêcher l'esprit de penser. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n'y a rien de mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, d'entretenir une constante apologie de la légèreté, de sorte que l'euphorie de la publicité devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. Le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration que la seule peur qu'il faudra entretenir sera celle d'être exclu du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions nécessaires du bonheur. L'homme de masse, ainsi produit, doit être traité comme ce qu'il est, un veau, et il doit être surveillé comme doit l'être un troupeau. Tout ce qui permet d'endormir sa lucidité est bon socialement. Ce qui menacerait de l'éveiller doit être ridiculisé, étouffé, combattu. Toute doctrine mettant en cause le système doit d'abord être désignée comme subversive et terroriste, et ceux qui la soutiennent devront ensuite être traités comme tels. Gunther Anders, L'obsolescence de l'homme, 1956. Le meilleur des mondes, moi je pensais que c'était Orson Welles. Non. Ouais, c'est de toute façon, ça rejoint la même thématique, hein, qui est de dire on crée une dictature douce par le marketing et l'abrutissement des masses jusqu'à ce qu'elles ne se révoltent pas. Et d'ailleurs, le problème dans une révolution n'est absolument pas la tyrannie au pouvoir, ça n'a jamais été. Le problème, c'est que les masses sont abruties. On l'a vu lors de la dernière guerre, les résistants, ils n'étaient pas 1% du peuple. Et en fait, comme il nous reste 1% du peuple sur lequel on puisse compter, il faut réussir à fédérer des groupements très antagonistes qui se tirent la bourre constamment, qui d'ailleurs ne passent leur temps qu'à ça, pour les fédérer, leur faire comprendre qu'il n'y aura que nous pour la bataille. La minorité agissante, c'est nous, parce que les autres sont complètement abrutis par un système très marketing, dont d'ailleurs Macron est l'incarnation pure et dure.
ce type-là est une exagération. Attends, je vais mettre le... Partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Voilà, c'est notre projet, le petit, la petite séquence, parce que c'est notre projet. Oui, Macron est l'incarnation de cette, effectivement, de l'aboutissement, le paroxysme de cette société du divertissement et de la liberté. Des apparences, ouais. Est-ce que tu penses que c'est toujours possible de que l'homme de masse ainsi produit puisse avoir envie de se révolter ? Non, pas sans la révolte des frigovides, qui est le fameux mythe, mais non. Clairement, non. Moi, je fais vraiment confiance aux 1% qui sont déjà lucides et renseignés. On perd beaucoup moins de temps. Avec eux, on peut faire de grandes choses. Il ne faut pas vraiment... quelques milliers de personnes peuvent faire une révolution. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir des masses conséquentes de plusieurs millions de personnes. Quelques milliers de personnes suffisent, mais il faut que ces milliers de personnes soient déterminées, se fixent des objectifs communs et soient très rigoureuses dans leur façon d'opérer. Donc c'est plutôt là-dessus moi que je... Est-ce que c'était pas déjà le cas avec les Gilets jaunes, notamment les premières semaines des Gilets jaunes, où on s'est aperçu qu'il y avait des centaines de milliers de personnes dans les rues? Oui, et le problème, c'était la visibilité médiatique qui a été accordée à un certain nombre de leaders d'opinion, on va dire, qui n'avaient aucune expérience politique ou militante à faire valoir pour justement faire que leur visibilité permette d'orienter les Gilets jaunes vers le bon cap. Donc ça, en fait, ça nous a créé plutôt des embêtements qu'autre chose, et beaucoup de blessés, surtout. Donc c'est en fait paradoxalement au moment où le mouvement s'étiole un peu, mais reste actif, que c'est plus facile désormais parce que les réseaux, encore une fois par exemple, moi c'était très difficile jusqu'à une certaine époque de pouvoir discuter avec des antifas. Or là ça fait deux fois consécutives que ces derniers viennent dans nos manifs sans commettre le moindre problème, en étant tolérant vis-à-vis du fait qu'il y a des gens qui sont supposés d'extrême droite, qui sont aussi dans les cortèges et on n'a pas de heurts à déplorer. Donc c'est un travail très compliqué, très minutieux que de rentrer en liaison avec différents influenceurs, chacun dans des réseaux respectifs, pour réussir des mobilisations très fortes alors qu'on n'est pas si nombreux que ça en réalité. Très bien Sylvain. Alors est-ce que ton essai en amène à un second, et avant ça, quelle est la conclusion de ce travail que tu as produit? Alors oui, il amène à un autre essai, je rédige clairement un programme politique, je vais voir ce que ça va donner, mais j'ai tellement été sali pendant des années sur mes idéaux politiques que je me suis dit, bon, autant aller au bout de ça et... les décrire. Et puis ça, c'est surtout que je me souviens d'une discussion qui m'avait beaucoup marqué à l'époque de Nuit Debout, où un enseignant d'université très à gauche, alors que je parlais des questions de haute trahison de Hollande déjà à l'époque et de révolution, donc c'était pas du tout, c'était pas dans une thématique gauche ou droite, c'était beaucoup plus neutre, m'avait insisté pour me dire quelles sont vos opinions politiques, parce que nous on vous suivra pas tant qu'on ne le sait pas. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est très anthropologique, mais on a tendance à suivre des êtres humains plus que des idées. Et pour porter des idées, de toute façon, il faut des êtres humains. Donc, comme j'ai toutes les difficultés du monde à faire comprendre à certains leaders d'opinion politique, réellement politique, de nous suivre dans les manifs pour le moins de les enrichir, alors que c'est quand même eux qui devraient parler de politique, hein, c'est pour eux qu'on fait ça. Moi, je prends petit à petit une stature plus politique parce que je n'ai pas le choix. Donc, ça va être l'objet de mon second essai. Ça va être un essai réellement politique. Mon premier essai se termine plus sur la question de l'assainissement des institutions. Une d'ailleurs qui sera très compliquée, enfin, il y en a deux qui seront très compliquées à nettoyer. C'est l'institution judiciaire et puis l'éducation nationale. Ce sont des écuries d'Ogias qu'il faudra quand même traiter, mais qui ont leur une certaine forme d'indépendance, on va dire. Tandis que le haut pouvoir administratif et militaire est beaucoup plus facile à nettoyer. Qu'est-ce que tu entends par le terme nettoyer ? Ah bah clairement, tirer les personnes, parce que ça aussi, c'est une dimension importante. Par exemple, si on prend la question du RIC, pour donner
un concept, une idée qui est en vogue. Il y a beaucoup de gens qui disent on va pouvoir changer le monde en le redessinant directement à notre façon et ne plus se soucier de celui existant. C'est pas vrai, parce que la réalité des politiques publiques et des normes qui sont écrites le sont par des personnes physiques. Donc ça signifie qu'on ne changera rien, et par exemple si on veut introduire le RIC dans notre constitution, c'est bien parce qu'on aura posé du personnel politique en lieu et place de celui qu'on veut clairement dégager, qui aura la volonté, la réelle volonté de faire appliquer ce qu'on leur demande, par exemple sur la question du RIC ou de la souveraineté. C'est aussi des volontés humaines, la politique. On peut très bien faire une révolution, la réussir, placer les mauvaises personnes qui, une fois qu'elles sont placées, finalement ignorent nos revendications politiques qui ont poussé cette révolution et ne font rien. Donc ça veut dire dans ce cas-là qu'on aura manqué du jeu parce qu'on n'aura pas voulu refaire confiance à des êtres humains pour leur volonté d'agir dans un certain sens. Toute volonté politique, toute norme, il y a un être humain derrière avant. Donc quand on veut assainir, c'est exactement la même chose. Tout ce qui a pu mal se passer, toutes les trahisons, les renoncements, le pantouflage, etc., c'est forcément parce qu'il y a eu des personnes qui étaient à certains niveaux de l'État qui ont mal agi, très clairement. Et si on les laisse là où elles sont, il y a toutes les chances qu'elles agiront comme un contre-pouvoir, elles feront office de l'État profond. Hein. C'est un petit peu le problème des Américains. C'est le problème qu'a soulevé dans le dernier numéro de sa revue politique Michel Onfray sur l'État profond, donc justement. Bah, l'État profond, c'est ça. Ce sont les hauts fonctionnaires, les influenceurs divers et variés qu'on laisse agir parce que l'État n'est pas assez fort pour savoir leur dire « Maintenant, ça suffit, vous êtes virés pour ceux qui sont dans la haute administration et poursuivis en justice, en tout cas pour tous ceux qui ont commis un crime. Mmh. » C'est ça, la marge. Très bien. Eh bien, écoute, on arrive sur les 2 heures qui étaient consacrées à ton livre. J'espère que cette petite entrevue t'a plu, t'a permis de t'exprimer. Bah complètement, oui. C'est plus facile pour moi, c'est plus fluide l'exercice des entrevues que être tout seul face à une caméra et pas trop savoir quoi dire. Non, merci beaucoup pour cette entrevue et puis j'espère que ça aura donné envie à beaucoup de gens qui la liront peut-être un peu plus tard de s'intéresser au bouquin dès qu'il sera sorti. Est-ce qu'on peut comment on fait pour retrouver du coup ton livre? Il faut aller sur ta page Facebook? Il faut aller où? Alors en fait je vais donner un mail qui marche, je vais te noter comme ça, tu pourras le balancer. Alors c'est là-dessus qu'on pourra commander directement le livre. Donc si vous voulez le commander par PayPal, vous pouvez le faire dès maintenant avec ce propre mail-là directement. Ça renvoie vers mon lien PayPal et ça peut aussi m'aider parce que comme je vous l'ai dit, je suis au RSA et tant que le livre n'est pas en vente, ne serait-ce que survivre au-delà de faire mon travail militant, ça réclame un petit peu plus que le RSA très honnêtement. Donc si vous voulez m'aider, moi je suis preneur, très clairement. Et de façon générale, pour commander le livre, soit par PayPal, soit par d'autres moyens de paiement, c'est à cette adresse mail qu'il faudra m'envoyer un petit courrier. Bah écoute, je ferai passer le message dès que le livre sera disponible. Peut-être ce serait bien que tu aies un petit site internet ou qu'il y ait une page sur Amazon, on pourra l'acheter, non sur, Il y aura une page sur Amazon, il y aura une page sur les décrocheurs qui sera dédiée au livre. D'accord. Décrocheur.fr. Et oui, de toute façon, je ferai au mieux pour quand même communiquer dessus. Ça marche. Bah écoute, je me ferai le relais de la publication de ton livre. C'était un plaisir, Sylvain, de t'inviter aujourd'hui, de discuter, d'avoir une bonne explication sur tes opinions, sur la réalité de ce livre, de ton parcours. Je compte sur ton influence pour motiver 2-3 juristes à l'UPR pour qu'on monte les tribunaux populaires. Bah écoute, ça a l'air de... En tout cas, ça a plu, l'idée a plu à Anthony, qui nous a écoutés depuis tout à l'heure, qui fait partie aussi du Bureau National. Donc on va essayer de mobiliser peut-être 2-3 juristes. Il faudrait des pénalistes de préférence pour rédiger ça. Et j'ai un certain Majoub qui est bien implanté à la Sorbonne, qui pourra peut-être nous filer un petit coup de main aussi. Ce sera avec un grand plaisir, ça nous permettrait d'achever
ce travail militant et puis d'avancer un peu. Ok, bah écoute, avec plaisir. Bah merci Anthony, merci à vous tous d'avoir été présents. On est restés, vous étiez nombreux hein, ce soir. Il faut dire que t'as une petite audience et c'est, ça fait vraiment plaisir. Donc vous pourrez revoir, vous pouvez partager cette vidéo, elle sera en replay dans quelques minutes. Sylvain, je me ferai un plaisir de mettre ça sur YouTube pour que ce soit diffusé au plus grand nombre. Merci à vous tous d'avoir été présents ce soir. Merci à vous tous de suivre Sylvain dans son activisme politique. Merci de l'aider en achetant son livre. Combien il coûtera ton livre ? Alors, le prix de l'éditeur, c'est 25 euros jusque-là. Il va peut-être être modifié, je vais voir, parce qu'il y a 3 soucis de pagination que je veux régler avec lui, donc ce sera certainement aux alentours de 25 euros. D'accord. Sans les frais de port, parce que je ne connais pas encore le poids du livre, donc je ne peux pas définir les frais de port, mais ça tournera autour des 5 euros. Et pour ceux qui voudront m'aider un petit peu plus, j'accepterai encore une fois. C'est pas du tout que je fasse la manche, parce que ça, ma fierté en prend un coup, mais honnêtement, associer le fait de devoir survivre, payer ses factures, et puis faire un travail militant qui quand même coûte beaucoup, c'est toujours utile. Donc, j'ai arrêté de faire de. Tout ce que je te souhaite, c'est que tu arrives à en vendre le maximum, parce qu'effectivement, Sylvain, tu es une personne qui t'engage depuis de nombreuses années pour les autres, pour un monde meilleur. Tu le fais sur ton temps, tu dépenses ton temps, ton énergie, ton argent pour ça. Et donc, ce serait une belle récompense que ce livre soit un succès commercial et que tu puisses en vendre un bon millier. Je te le souhaite en tout cas, voire plus encore. De toute façon, ça permettrait à pas mal de gens de savoir comment s'organiser. C'est clair. Et donc voilà, donc merci beaucoup Sylvain. Je te dis à très bientôt et à vous tous aussi. Une bonne soirée. Je te laisse le mot de la fin, Sylvain, et je vous embrasse. Et à mercredi prochain, gardez les amis. La foi et le rappelons que le 7 novembre prochain, à partir de 13h30, devant la maison de la radio, vous êtes conviés à venir vous rassembler pour un cortège devant les grands médias de propagande. Et on souhaite être très nombreux ce jour-là. Donc gardez la date en tête, samedi 7 novembre prochain. C'est parfait. Mais merci à tous et à très bientôt pour le live du bon sens, tous les mercredis à 21h sur cette page Facebook. Salut. Ciao. Ciao, ciao. J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, à se réunir à C'est la bon France. Vive la République. Vive la France. C'est bon. Ok.